Voilà. Ah. Oui, c'était mon redshift, pardon. Je regarde le timing. 6 minutes, on est good. On est en avance. Chose rare. On est good ? 3, 2, 1, tu pars. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du monde. Bienvenue donc à la première des conférences, des dizaines de conférences, de la dizaine de conférences qu'on va faire pendant ces 2 semaines. Pour vous pitcher un peu l'histoire, c'était un peu le calme avant la tempête, c'était un peu le nom de code de ces conférences qui était pendant 2 semaines, vous n'avez pas de projet. Vous avez les reruns des choses que vous avez avant, si vous voulez retravailler dessus, vous pouvez retravailler sur la piscine. Mais c'est aussi un peu le moment de calme où on peut enfin prendre le temps de faire les choses qu'on ne pouvait pas faire proprement avant. Et c'est le moment où on a le temps dédié pour s'arrêter, prendre du recul et regarder ce qu'on fait. Et aussi, bien sûr, pour préparer 42SH au mieux. Donc, vous avez vu un peu l'histoire des conférences qu'il y a. Il y a un peu 2 types de conférences. Il y a les conférences qui sont de la catégorie « prendre le temps », donc Vimeo et Emacs appartiennent notamment. C'est celle où on reprend un peu de temps pour regarder ces choses-là, vu que maintenant, on a le temps. Et toute la catégorie « ceci est directement utile pour 42SH » et on vous recommande assez fortement de le faire, enfin d'aller la regarder. Soit en direct, soit en regardant les VOD, grâce à, bien sûr, la meilleure association de l'école, c'est-à-dire GConf, qui, je pense, mérite un petit applaudissement. Et bien sûr, je dis pas du tout ça parce que je suis président fondateur, bien évidemment. Ah ouais ? Ben ouais. Pour parler un peu justement de l'histoire, c'est un thème qui reviendra souvent, quand je dis de prendre le temps, de faire les choses bien. Il y a un peu le syndrome. La meilleure manière de l'expliquer, c'est des gens qui sont mis sous stress parce qu'ils doivent rendre des choses, ils ont des projets à rendre, ils disent « j'ai pas le temps de faire les choses bien ». Et un peu l'équivalent, si on devait voir un peu cette image, c'est des bûcherons qui sont en train d'essayer d'abattre un arbre. Et ils ont des haches en caoutchouc et ils font « ch'touing, ch'touing ». Tu vois, ça fait le petit bruit des canards en plastique, ça fait « comme ça. Et à un moment, tu vas aller voir, tu fais « non mais sinon, ça c'est une hache en acier, ça marche mieux ». Il fait « Oh, j'ai pas le temps, qu'est-ce que tu m'emmerdes là ? Là, il faut que je fasse tomber l'arbre. Arrête avec tes conneries, je verrai plus tard, mais là, l'arbre, il faut qu'il tombe. » Et il continue « comme ça. Ben ça, c'est à peu près ça quand on va aller voir, qu'on leur dit « Eh les gars, faut bien servir de son éditeur de texte. Eh les gars, faut faire du TDD. Eh les gars, faut apprendre à servir de guide parce que sinon, tu vas perdre tout ton projet et t'auras l'air con. » Et les gens, ils sont en mode « Ouais, non, non, mais je te crois. Mais là, j'ai pas le temps parce que je dois faire 42SH. » Donc... On va voir ce que ça donne et on commence avec la première conférence sur Vim qui sera enchaînée juste après par une conférence sur Emacs faite par Guigui, enfin par Guillaume, excusez-moi, qui est au fond. Donc je vous invite également à y assister. Et le titre de cette conférence est honteusement pompé du premier jeu que j'avais fait pour la nuit de l'info l'année dernière qui s'appelle « Comment arrêter de se servir de Vim comme un goré ?» Et en gros, c'est un peu une collection, une vignette de tous les moments de douleur que j'ai ressentis lorsque je suis passé dans les salles et que j'ai joué à la queue pour aller aider des élèves, que ce soit en atelier algo ou à d'autres moments. C'est un peu la collection de tous les moments de douleur où j'ai vu un élève faire quelque chose. Et j'en ai identifié quelques raies que j'ai appelées les signes du goré. Et l'objectif, c'est on va apprendre ensemble à identifier les signes du goré et surtout ne pas les répéter. On sera toujours au fond de notre âme un petit porcinet, mais le but, c'est avec le temps l'être de moins en moins et évoluer vers quelque chose de correct. Même moi, j'ai encore mes côtés un peu porcinets. Alors, ça marche mieux quand je mets la souris au bon endroit. D'une manière générale, la conférence, pour parler d'une manière très rapide, par rapport à la fameuse guerre sainte Vim contre Emacs, c'est une guerre sainte dont j'ai strictement rien à foutre. C'est marrant, c'était marrant quand j'avais 18 ans, en gros. Maintenant, je considère que ça n'a absolument aucune valeur. D'autant plus que le choix d'un éditeur, c'est quelque chose de très intime. C'est comment toi, tu vas manipuler ton outil, c'est comment tu vas manipuler la production, c'est ton rapport à ce que tu produis, c'est quelque chose de très personnel. Et il y a différentes manières de voir les choses. Et effectivement, il y a des philosophies Vim, des philosophies Emacs, il y a des gens qui raisonnent plus ou moins par rapport à l'une ou l'autre. Et donc, juste pour vous dire, toute forme de troll Vim contre Emacs ne m'intéresse pas et je ne perdrai pas mon temps avec ces conneries-là.
Si vous utilisez Emacs, c'est très très bien. Et ça m'arrive encore de temps en temps de sortir Emacs pour d'autres cas, pour certains cas. Donc il ne faut absolument pas partir dans les conneries zélotistes, ça n'a pas de valeur. Surtout que chez les Vimeux, aujourd'hui, le drama est plutôt entre Vim et NeoVim. NeoVim étant un fork un peu récent qui considérait que les gars qui géraient Vim étaient un peu des vieux cons. Je vais un peu en parler de ce drama actuel, mais grosso merdo, ça s'applique à Vim et NeoVim, ce talk. Comment il s'organise d'une manière générale ? Il se fait en trois temps. Le premier temps, c'est l'étude des signes du goré. On va revenir sur les bases des bases des bases assez rapidement, mais sur des éléments que je considère comme essentiels parmi les bases. Et en mode, si vous ne le faites pas, là, clairement, vous êtes un goré. Une fois qu'on aura ça, on va parler de toutes les killer features vachement drôles. Enfin, pas toutes, il y en a beaucoup trop. Mais un petit panel sélectionné personnellement de ce que je considère être les killer features de Vim qui marchent sans plugin et en mode, à partir du moment où vous apprenez à manipuler ces choses-là, votre productivité est multipliée par 100. C'est vraiment des killer features et vous ne pourrez pas vivre sans une fois que vous arrivez à vous en servir. Et à la fin, parce que je sais que sinon on allait me faire chier, même si je dis regarde tout ce qu'on peut faire sans les plugins, il y a toujours « et sinon tu utilises quoi comme plugin ?» Donc histoire de préempter le coup, et d'éviter la question. Oui, à la fin, j'ai mis une section où je parle des plugins que j'aime bien. Comme ça, arrêtez de me faire chier en mode « Mais sinon, c'est quoi les plugins que t'aimes bien ?» lorsque je fais une conf sur tout ce qu'on peut faire sans les plugins. Voilà. D'une manière générale, comment aller plus loin ? Vous savez qu'il y a un petit truc que j'aime bien, c'est je ne termine pas mes slides par la bibliographie, je commence par la bibliographie. Et bah, ici, ça n'est pas d'exception. Les grands trucs, le channel Vim sur Freenode, vous me verrez de temps en temps dire des conneries, même si je poste plus énormément, mais il y a des gens qui sont vachement bien, et d'une manière générale, ils sont très avenants et très gentils, donc c'est quand même c'est rare pour un channel sur Freenode d'avoir des gens qui sont aussi avenants. La communauté, la vieille garde de la communauté Vim sur Freenode a fait un site qui s'appelle VI Improved, qui est clairement opinionated, c'est leur vision des choses à eux, qui est plutôt côté vieille garde, mais c'est un peu la collection à eux de ce qu'ils considèrent être les plugins qu'ils aiment bien, ce qu'ils considèrent être de la merde, ce qu'ils considèrent être des tips très pratiques et des trucs comme ça. Ça n'a pas une valeur d'exhaustivité ou de choses officielles, mais c'est ce que la plus grande communauté pense. La plus grande communauté qui est Vim sur Freenode. Personnellement, je recommande assez fortement ce site, il y a des éléments qui sont quand même assez intéressants, et vous verrez qu'ils ont une philosophie qui est très minimaliste, que je trouve très intéressant. Troisième petit lien, c'est les Vimcast. Alors, ils se font un peu vieux maintenant, c'est de Drew Neal. Et c'est quelqu'un qui faisait des petites vidéos de 5 minutes où il expliquait un concept sur Vim en vidéo. Et elles sont vachement bien pour apprendre. Elles peuvent aller vachement loin, présenter les plugins fun. Et il avait également fait des bouquins, Practical Vim et Practical Modern Vim, dont je vous recommande la lecture personnellement. Donc ça, c'est un peu les différents endroits où aller plus loin. Alors, commençons. Faisons les bases. Et on va commencer par le premier signe du goré. Alors ils sont, j'ai dit le premier, ils ne sont pas dans un ordre particulier, le choix était relativement arbitraire, mais moi je les ai trouvés comme ça. Eh ben non, d'ailleurs j'avais une autre slide avant. Alors le premier signe du goré, le signe du goré numéro 0, c'est les gens qui lisent pas la putain de doc. Il y a un truc qui s'appelle Vim Tutor, qui est installé en même temps que Vim. Vous pouvez taper Vim Tutor sur votre shell. Et en gros, ça va lancer Vim avec un fichier tout fait qui est un tutoriel. C'est le Vim tutoriel. Et il est vachement, vachement, vachement cool pour les débutants. Il se parcourt en 20 minutes et il vous fait un peu pratiquer. C'est vraiment... Bah, j'essaie de vous faire une petite démo rapide. Hop là. Hop là. Vim tutor. Welcome to the Vim tutor. Gna 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 gna. Et vous pouvez dérouler tout le truc avec des commandes, des trucs, des machins. Il se lit assez rapidement et honnêtement, je vous recommande sa lecture pour les débutants. Et puis même, ça fait du bien de repasser dessus. De temps en temps, on tombe sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, qu'on avait oublié. Le deuxième truc sur lequel je veux vraiment, mais vraiment insister, c'est que la doc de Vim est particulièrement, particulièrement phénoménale. La doc de Vim est excellente. Et il y a juste à taper 2.help. Alors, il y a plein de trucs qui se cachent dans les deux points. Alors, il y a 2.smile pour la blague. Hein, vous tapez 2.smile, il y a un sourire. Oui, bref. Mais sinon, vous pouvez taper 2.help ou 2.h. Et vous avez tout.
Déjà, il vous dit comment on fait pour se barrer de gym. Voilà, deux points à help. Et ensuite, comment on fait pour se balader dans la doc. Et ensuite, vous avez l'immense table des matières. Tout ça, alors déjà ici, c'est la quick ref, le tutor et tout ça. Ici, c'est le user manual. Le user manual, c'est la partie la plus didactique, la plus narrative, on va dire, qui est énorme, qui possède toutes ces sections-là et qui est vraiment excellent. Et ensuite, ici, on a tous les manuels de référence sur la moindre commande, le moindre fonctionnement de Vim. Le Helpage est énorme et vraiment, vraiment, vraiment excellente. Et à peu près tous les concepts que je vais présenter dans Vim, à chaque fois, je vais essayer de donner le lien vers la doc qui va bien. Mais honnêtement, c'est un truc à faire une fois dans sa vie, de lire le putain de user manuel. Il n'est pas si long que ça. Mais sans deck, je trouve ça toujours super drôle quand les gens ils font oh, « Mais putain, mais il est trop fort, mais comment il savait qu'il y avait ça ?» Bah, j'ai lu la putain de doc. Ça s'applique pour Vim, ça s'applique pour le C, ça s'applique pour les man pages de Linux, ça s'applique pour à peu près tout, en fait. Apprendre à lire la doc, c'est très très bon pour briller en soirée mondaine, et tout le monde dit « Oh là là, mais il est trop fort, comment il a fait ?» J'ai lu la putain de doc. Voilà, si vous voulez être aussi fort que moi, lisez la doc. Dernier petit truc, qui est le petit raccourci qui n'appartient pas à Vim, mais qui appartient à Linux, enfin au shell, c'est CTRL-Z. Je rappelle que tous les shells modernes, que ce soit Bash, LSH, KSH, whatever, ont un truc qui s'appelle le job control. En fait, votre shell est capable de faire tourner plusieurs choses en même temps, c'est ce qu'on appelle des jobs. Et en fait, lorsque actuellement vous êtes sur votre shell ici, quand vous tapez CTRL-Z, c'est pas une commande de Vim, c'est une contrôle du shell, qui stoppe le process et qui le met en background. Vous pouvez taper jobs pour voir la liste. Non, jobs. J'en ai un job qui est suspended. Vous pouvez d'ailleurs ensuite faire BG et un numéro de job ici. Vous pouvez avoir plein de jobs suspendus en background. BG pour faire tourner en background. Mais FG, ça veut dire foreground. Et ça prend le job qui est en background et ça le remet au début. Ça le résume. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de quitter votre Vim lorsque vous voulez récupérer un shell. Premier signe du goret. Non mais le coup du... Alors, j'ai besoin d'éditer toto.c. Blablabla. Ah bah maintenant je vais compiler. Deux points. Gnagnagnagna. Ah GCC. Ah c'était quoi déjà l'erreur? Attends, bah Vim toto.c. Ah là 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 là. J'en peux plus. Parce que surtout, il y avait des splits, il y avait des machins, il a tout perdu. Parce que je suis désolé, je dois partir en expédition, je dois retourner sur le shell. Genre, bah oui, non mais, tu veux retourner sur le shell, t'appuies sur CTRL-Z. Tu fais tes conneries, tu fais ton mec, blablabla, tu testes des trucs, et après tu fais FG, et youpla. Alors, un truc qui est très marrant, c'est au tout début, quand vous allez vous habituer à ça, à déjà le premier réflexe de ne pas quitter Vim, mais juste de le mettre en background, là... Le revers de la médaille, c'est aussi apprendre à appuyer sur FG pour relancer Vim et pas relancer Vim. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps quand je démarrais. J'avais le réflexe d'appuyer sur CTRL-Z, mais à chaque fois que je voulais rouvrir le fichier, je retapais Vim. Et au bout de 5 ou 6 heures à programmer, je me disais, ma machine, elle est un peu plus lente, non? Là, tu tapes Jobs, tu vois 50 Vim qui sont en background. Ah ouais. Donc ouais. Prendre le réflexe, généralement, c'est assez rare de d'avoir besoin de quitter Vim. Donc le premier signe du goret, c'est un peu ça. Apprenez bien à CTRL-Z, FG, pour pouvoir ça, soit carrément avoir carrément un shell à côté. Hein. Vous êtes sur un i3 ou un Windows Manager qui sait faire les deux. Soit carrément teaser pour plus tard, nouvelle feature de Vim, avoir un terminal intégré. On va en parler, je sens que c'est un domaine qui va être très polémique. Mais bref, le premier signe, le goret numéro 0, le goret primordial, le goret qui est à l'origine de tous les autres gorets, si vous voulez, le patient zéro du goret, c'est celui qui lit pas la putain de Helpage. Donc vraiment, vous n'avez aucune excuse. On a tous un downtime pendant un exam machine où on attend l'heure où on peut se barrer. Plutôt que lancer MetaX Doctor ou MetaX Tetris, oui, c'est ce que je faisais quand j'étais en exam machine, lancer le 2.help... On apprend des choses. Alors les mecs ils notent, alors MetaX Doctor, je note, MetaX Tetris. Ils notent pas les bonnes choses dans ma conf, j'ai l'impression. Bref, le premier signe du goret,
Big number one, c'est le goret qui reste toujours en mode insertion. Et ça, c'est vraiment le goret qui te fait mal, mais à un niveau viscéral. C'est vraiment quelque chose où tu vas voir quelqu'un et tu lui dis « Attends, je crois que j'ai un truc avec ton truc. Il y a moyen que tu effaces cette ligne ?» Et il fait « Ah oui, très bien !» Et là, il a son curseur à peu près vers le début de la ligne. Et là, c'est limite s'il ne se tourne pas la tête en te faisant une sorte de sourire mesquin en mode « Regarde ce que je vais faire !» Et là, il prend son index et il appuie sur flèche droite. Et tu vois le curseur qui fait comme ça. Là, t'as la petite goutte de sueur. Là. Et t'es en mode non, fais pas ça. Puis finalement, t'entends ting 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 ting. Il est au bout. Et là, il lève son doigt. Tu commences à voir les crocs dans son sourire. Et là, maintenant, il appuie sur backspace pendant qu'il te regarde. Ça fait. Et donc ça, mais ça te fait mal, mais à un niveau, mais c'est dans ton cœur que ça fait mal, quoi. Donc ça, c'est les gens qui sont toujours dans le mode insertion. Et on ne peut pas leur en vouloir si c'est la première fois qu'ils touchent à Vim, parce que c'est un truc qui est assez rare, mais Vim est ce qu'on appelle un éditeur modal. Et il n'y a pas beaucoup d'éditeurs modaux, ce n'est pas le seul, mais c'est un des seuls. Parce que la plupart des autres éditeurs que vous connaissez, que ce soit Emacs, Notepad, Visual Studio, tous les trucs, d'une manière générale, appuyer sur une touche égale rentrer le caractère de cette touche, j'appuie sur I, je rentre la touche I, j'appuie sur O, je rentre la touche O, et ainsi de suite. Et si je veux faire des opérations de contrôle, eh bien, je maintiens la touche contrôle. C'est pour ça qu'elle s'appelle contrôle. Contrôle S, c'est une opération de contrôle pour sauvegarder. Ou bien, si je veux faire des méta-opérations, j'utilise Alt, son autre nom étant bien sûr méta. Meta X, Meta machin et tout ça. Et donc en gros, les touches telles quelles font ce qui a marqué dessus, mais lorsque je les augmente avec contrôle, avec alt, avec machin, eh bien ça fait des choses différentes. Ce n'est pas le cas de Vim. Enfin, yo, il y a quand même des trucs avec du contrôle. Vous avez Ctrl O et Ctrl I par exemple, qui marchent en mode insertion. Hein. Mais d'une manière générale, Vim a des modes d'opération. Et selon le mode dans lequel vous êtes, appuyer sur une touche ne fait pas la même chose. Il y a grosso merdo que 3-4 modes à connaître pour les débutants. Hein. Mais sachez qu'il y a un seul de ces modes qui sert à insérer du texte. Il s'appelle le mode insertion. C'est plutôt bien nommé. Eh bien, il y en a marre des gens qui restent toujours en mode insertion parce que modifier du texte n'est pas insérer du texte. Effacer une ligne, changer un mot, indenter quelque chose, ce n'est pas une problématique d'insertion de texte. C'est une problématique de modification de texte et on a des opérateurs pour faire ça. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est le mode insertion, c'est un peu c'est la frappe chirurgicale. C'est l'opération commando, on rentre, on fait le texte, on se barre. Et d'une manière générale, la plupart de votre temps est dans le mode normal, qui est le mode par défaut. Donc généralement, ne restez pas en mode insertion, vous êtes en mode normal, blablabla, je fais mes conneries, ah, j'ai besoin d'ajouter des nouveaux trucs. Je rentre en mode insertion, bam, 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 et tout de suite après, youp là, je m'échappe. On reste pas en mode insertion. Quelques petites références, le Help Vim Mode qui vous présentait les 7 modes. Si vous voulez, ça, il y a 7 modes basiques plus 7 modes additionnels, mais on s'en fout. J'ai dit la merde, c'est USR, pas User, excusez-moi, c'est le User manuel. C'est USR, faudrait que je modifie ça dans les slides, désolé. Donc voilà, le premier signe du goret, c'est le mec qui est toujours, toujours, toujours en mode insertion. C'est ah, horrible, horrible. Ce qui nous amène assez naturellement au deuxième signe du goret. Le deuxième signe du goret, c'est le mec, il connaît que les flèches directionnelles. Et là, c'est pas moi qui ai mal, c'est lui qui est en train de se faire du mal futur. Mais il s'en rend pas vraiment compte. Parce qu'il y a un truc qui s'appelle l'ergonomie. Et l'ergonomie, c'est pas un truc qui a été inventé par des connards en costard-cravate sous coke pour vendre de l'argent. Hein. C'est un truc qui est vraiment utile, je vous assure. Et l'ergonomie, par exemple, c'est le fait de ne pas avoir un syndrome d'arthrose dans toute votre main parce que vous êtes servi à faire des contrôles et des trucs comme ça avec votre ordinateur pendant toute votre vie parce que c'était votre carrière. Et je vais vous donner un truc très simple. D'une manière générale, les claviers sont conçus pour que la rangée du milieu soit ce qu'on appelle la home row, c'est ce qu'on appelle la rangée de la maison. Et la position de repos, on considère que c'est avoir les doigts posés comme ça. Vous avez peut-être remarqué que sur F et sur J, il y a des petits reliefs. Vous avez vu, hein ? Bah, le but, c'est que vous mettiez vos index dessus.
c'est ce qu'on appelle la position de repos. Et d'une manière générale, on n'a pas envie de s'éloigner de la position de repos. L'ergonomie, c'est l'étude de les opérations les plus fréquentes, sont des opérations qui sont proches de la home row, et plus je m'éloigne de la home row, plus je suis rare. Les flèches directionnelles sont loin. Et vous passez votre temps à faire 1, 1, 1. C'est à peu près le même truc que celui qui a la souris. Alors pourquoi est-ce qu'on se branle sur i3 ou sur Awesome ou sur n'importe quoi pour manipuler le truc au clavier? Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable, je suis en train de coder, souris. Ça a l'air marrant, là, je le fais 3 fois, j'ai déjà mal au bras. Hein. Maintenant, vous faites ça pendant 30 ans tous les jours, vous allez mal terminer. En gros, les flèches directionnelles, c'est très très mauvais pour vos doigts, à un niveau physique. Et ça tombe bien parce qu'en mode normal, si vous voulez ça, au pire, il y a HJKL. HJKL correspond aux flèches directionnelles et c'est sur la home row. Même si je ne m'en sers pas tous les jours au final parce que c'est trop basique, ça marche. D'une manière générale, il y a beaucoup de gens qui sont sur les flèches directionnelles parce qu'ils sont en mode insertion. Et étant en mode insertion, HJKL écrit HJKL dans le fichier. Donc ils vont sur les flèches directionnelles parce qu'elle, elle marche en mode insertion. Et donc du coup, non, reste sur la home row. Un autre petit conseil que je vous donne qui est super puissant, c'est celui-là. En pratique, qui ici se sert de caps lock pour ses raisons originelles? Alors, il y a 5-6 personnes, c'est 6 personnes de plus que je m'attendais. Ok, mais sans jugement, hein, je vous invite juste à vous entraîner à appuyer sur Shift, à maintenir Shift. Mais c'est juste que Escape, c'est la touche qui permet de quitter le mode insertion pour revenir en mode normal. Et je vous dis qu'on passe notre temps à revenir en mode normal. Et de la même manière, je m'amusais avec la main droite à faire ça. M'amuser à faire ça avec ma main gauche, c'est pas plus drôle. Hein. Donc, en fait, surtout que c'est légèrement tendancieux. en fait, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est pas fait au niveau de Linux. Enfin, c'est pas fait au niveau de Vim, c'est fait au niveau de Linux. C'est de remapper Escape sur Caps Lock. Parce que de toute façon, Caps Lock, personne s'en sert, on s'en bat les couilles. Et donc, à la place, avec mon petit doigt, tu me fais un signe. Ah, bah voilà. Je remappe et en fait avec le petit doigt tchac, je peux appuyer sur Escape. Moi je vous recommande, il y a des gens aussi qui le mettent sous contrôle, enfin qui ont swappé contrôle et Escape ou des trucs bizarres comme ça. Moi personnellement j'ai mis Escape sur Caps Lock et ça m'a jamais manqué. D'une manière générale, on va commencer à parler de petits trucs un peu puissants. Le help du motion.txt, il y a HJKL, mais HJKL c'est la base de la base de la base. Il y a 1 milliard de méthodes de se déplacer dans Vim qui sont méga, méga, méga puissantes. Il y a tout ce qu'on appelle les motions. Et donc, je peux me déplacer. Donc, attendez, hop là. On va rouvrir le Vim Tutor. Je peux me déplacer bloc d'écran par bloc d'écran. Je peux revenir tout en haut. Je peux descendre tout en bas. Je peux avancer mot par mot. Je peux avancer jusqu'à... Je peux avancer par recherche. Ça, c'est très très puissant. Plutôt que de me déplacer en disant « je vois le mot machin, j'ai envie de me rendre sur le mot machin », plutôt que de dire « pour me rendre sur le mot machin, je dois descendre de 4 lignes, avancer de 5 caractères », dès que lui « je veux me rendre sur le mot machin ». La recherche, ça se fait avec slash, et en fait, je ne me sers quasiment jamais de HJKL, parce qu'en fait, je me déplace par recherche. En fait. Généralement, quand je suis à un endroit et je dis « ah putain, j'ai besoin de changer le note, le depressed ici, j'ai mis une typo dans depressed en bas ». Je vous le montre ici. Vous voyez, is not depressed, là, vous le voyez là? Plutôt que de me balader en disant alors je dois me rendre ici, avancer mot par mot et machin, vous voyez, en fait, je fais slash depressed, hop là. Alors, je vais me rendre à un endroit, je m'y rends quoi. Et il y a plein d'autres manières de se déplacer. Ouais. Il va sur le premier et tu fais suivant avec N. Pour aller de recherche en recherche. Là, bon, j'en avais qu'un seul ici, mais si je m'amusais à taper genre qui, je pense qu'il y en a plusieurs fois qui, tu vois, je me balade et je peux même me balader à l'envers. Donc d'une manière générale, 2.help motion.txt et vraiment, le manuel est super bien explicite et il y a plein de trucs. Alors, pourquoi est-ce que les motions sont aussi puissantes? Parce qu'il y a un autre truc, et c'est un peu, on va dire que l'émotion, c'est les nachos.
Et là, les opérateurs, le truc que je vous présentais, c'est le petit fromage avec le guacamole qui est sur les nachos, tu vois. C'est le truc que quand tu le mélanges, ça vend du rêve. Les opérateurs sont des choses qui s'appliquent à des motions. Et alors, qu'est-ce que c'est un opérateur? Un opérateur, c'est quelque chose qui fait une opération. Ça veut dire que j'ai l'opérateur de délétion. J'ai l'opérateur de copie. J'ai l'opérateur de je rends le truc lowercase. Bon, celui-là, bon, bref. J'ai l'opérateur de indente-moi le fichier égal. Indente-moi le chose que je veux. J'ai l'opérateur de formater le texte. Si vous avez un paragraphe, vous écrivez du mail. Alors, j'ai l'opérateur pour faire du ROT 13. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce que j'ai un opérateur pour faire du ROT 13 dans mon Vim? Je peux sélectionner un texte et faire du ROT 13 dessus. Et c'est pas une blague, hein, regardez. Je refais mon Vim Tutor. Je sélectionne tout ça. Et hop là. À quoi ça? Eh bien, en fait, c'est à l'époque où il n'y avait pas les forums, il n'y avait pas Reddit, mais il y avait les newsgroups pour discuter. Mais à l'époque, on n'aimait déjà pas les gens qui racontaient la fin du film. Et donc, comment on faisait une balise spoiler? On mettait nos textes en ROT 13. Et c'est pour ça que la plupart des éditeurs de textes qui s'avèrent étaient utilisés pour lire les news ou pour répondre aux news, en pratique, eh bien c'était utile qu'ils aient un opérateur pour pouvoir déspoileriser ou spoileriser leur texte. On apprend des choses avec moi, hein, quand même. Ah, vous êtes content d'être venu, hein. Il y a l'opérateur de shift, l'indentation vers la droite, décrémente un coup d'indentation, plein de trucs comme ça. Alors pourquoi ces trucs-là sont super puissants? Parce que les opérateurs s'appliquent à une motion, s'appliquent à un déplacement, et en fait une sorte de combinatoire magique. Ça veut dire que si jamais vous apprenez une nouvelle motion, vous pouvez utiliser tous les opérateurs que vous connaissez sur cette nouvelle motion. Et à l'inverse, si jamais vous apprenez, vous découvrez un nouvel opérateur que vous ne connaissiez pas, vous pouvez vous en servir sur toutes les motions que vous connaissez. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'ai appris à dire, par exemple, on va voir ça juste après, la capacité de dire ce qui se trouve entre les parenthèses, à partir du moment où j'ai récupéré la possibilité de dire ce qui se trouve entre les parenthèses, eh bien j'ai gagné le pouvoir de effacer ce qui se trouve entre les parenthèses, copier ce qui se trouve entre les parenthèses, retracer ce qui se trouve entre les parenthèses, mettre en lowercase, mettre en uppercase, blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est ça qui est super puissant. D'une manière générale, ça vient, ça, enfin, c'est super puissant. Il y a un article que je vous conseille qui est une réponse sur Stack Overflow, d'un article qui est assez connu. Un mec disait pourquoi Vim c'est de la merde, j'y comprends rien. Et le mec répondait, le problème c'est que tu ne grokes pas Vim. Alors dans le jargon des hackers, groker quelque chose, GROK, to grok something, c'est la compréhension plus plus. Groker quelque chose, c'est quand tu comprends quelque chose à un tel point qu'en plus tu sais pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas autre chose, et tu en connais les tenants et les aboutissants. Comprendre les développements limités, c'est comprendre que la formule c'est gna 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 gna. Groquer les développements limités, c'est la capacité à savoir dans sa tête, à dire oui, mais c'est normal que ce soit comme ça, parce qu'en fait la théorie a amené à ça, ah, et en fait c'est ça. Et donc, groquer Vim, c'est de dire ah, mais oui, pourquoi est-ce que la commande pour indenter tout mon fichier, c'est GG égale grand G? Pourquoi c'est GG égale grand G? Parce que GG veut dire revient tout en haut du fichier, égal est l'opérateur d'indentation. Et l'opérateur attend que je lui passe une motion pour l'appliquer, et grand G veut dire va jusqu'en bas du fichier. Donc de là où je suis remonté tout en haut avec GG, à jusqu'en bas du fichier, GG égale grand G, j'ai tout indenté. Et si par exemple j'apprends que pourquoi égale I grand B va indenter tout ce qui se trouve à l'intérieur de ma fonction, bah égale c'est l'opérateur d'indentation, IB ça veut dire I grand B à l'intérieur des braquettes. Et on apprend des choses comme ça. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment de lire ça. L'autre truc qui est très puissant, je ne sais pas si j'en parle à un moment. Non. Bah, je reviens en arrière. Excusez-moi. C'est ce qui s'appelle les Text Motion Objects. Et ça, c'est la killer feature en termes de motion. C'est la capacité à représenter des contextes, comme je vous avais dit. Et en fait, dans Vim, on a des motions pour dire à l'intérieur des parenthèses, à l'intérieur des guillemets, à l'intérieur des braquettes, à l'intérieur du paragraphe, et à l'intérieur des tags HTML, on peut même. Et toutes ces choses-là, on peut appliquer n'importe quel opérateur à l'intérieur. Donc par exemple, je vais ouvrir une connerie.
À ta gueule. Lol.c. Voilà. Alors, j'ai utilisé l'opérateur V, qui est l'opérateur de sélection visuelle. Mais bien sûr, comprenez qu'on peut utiliser n'importe quel autre opérateur. Eh bien, par exemple, et bien sûr, on va glisser un... on s'en fout. Voilà. Je peux sélectionner tout ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Comme ça. C'est I suivi de parenthèse. Donc V, I pour à l'intérieur des parenthèses et la parenthèse. Ou bien B, c'est un raccourci parce que c'est le plus connu. À la place de I, je peux mettre A. Et c'est pareil, sauf que les parenthèses elles-mêmes sont sélectionnées. V, A. Vous voyez, les parenthèses également étaient sélectionnées. Et maintenant que vous savez ça, bah, je vous dis que ça marche exactement pareil avec des guillemets. V, I, guillemets, bah oui. V, A, guillemets, bah les guillemets également. Et donc du coup, mes grands zigouigouis, mes grandes braquettes là. V, I, les grandes braquettes, bah oui. Et donc je veux tout indenter à l'intérieur. L'opérateur d'indentation, c'était shift comme ça. Bah shift, I, grand B, bah oui. J'ai envie de mettre en majuscule tout ce qui se trouve ici. On a vu que c'était G grand U l'opérateur. On s'en fout, c'est un exemple à la con. Bah, j'ai grand U à l'intérieur des guillemets. Et en fait, ce qui est super puissant avec ça, c'est que c'est une combinatoire magique. Et c'est du N fois M. À chaque fois que vous allez apprendre un nouvel opérateur, vous pourrez l'appliquer à toutes les motions. Et à chaque fois que vous apprenez une nouvelle motion, vous appliquez tous les opérateurs que vous connaissez. Donc c'est super puissant. Les gens qui disent « Ah ouais, excuse-moi, il y a un problème à l'intérieur des parenthèses, faut que tu changes ça et machin. Ah oui, excuse-moi, oui, donc je disais, blablabla. Il n'y a pas de « Ah oui, attends, blablabla, machin. » Ah, ton fichier, il est dégueulasse, qu'est-ce que tu pourrais... est-ce que tu pourrais... Non, attends, excuse-moi. Est-ce que tu pourrais me le réindenter, s'il te plaît, parce que je trouve que là, c'est un truc de gorée, j'y comprends rien. Ah, mais oui, tout à fait. Voilà, c'est indenté. J'ai pas utilisé un plugin. C'est dans Vim. Donc, c'est vraiment super, super, super puissant. Faut vraiment s'en servir, les gars. Donc, le premier signe du gorée, c'est le mec qui se prive de tous ces trucs-là parce que il est en mode insertion. Et tout ça, il n'aurait pas pu le faire parce qu'il était en mode insertion. C'est dommage quand même. Donc, les trois grands opérateurs fondamentaux, hein, à titre personnel, c'est D pour délétion, C pour change. Change, c'est comme la délétion, sauf qu'au lieu de vous laisser en mode normal, ça vous laisse en mode insertion derrière. Ça veut dire, je suis en train de retirer moi ça, je vais mettre autre chose à la place. Je vais me dire, à quoi ça sert? Bah, ça ne fait pas juste sauvegarder une touche, plutôt que de rentrer dans l'insertion, c'est que tout ça est considéré comme une seule opération quand vous utilisez l'opérateur de point pour répéter la dernière commande. Mais bref, généralement, plutôt que si je voulais changer ce qui se trouvait à l'intérieur des guillemets, plutôt que de faire, excusez-moi, D, I, guillemets, ensuite I, et ensuite blablabla, je ferais plutôt C, I, guillemets, et je rentre directement dans l'insertion pour taper mon truc. Bref, et ensuite Y pour yank, yank ça veut dire copier. Bah couper c'est D. Coller c'est P pour paste. P pour paste. Bref, j'avance un peu parce que je suis qu'au deuxième signe du gorée. Alors, d'une manière générale, tout ce que vous perdez quand vous utilisez, et là j'ai même pas parlé de plugin, et là j'ai même pas parlé de fonctionnalité avancée, je suis désolé, ça c'est pas une fonctionnalité avancée. C'est littéralement les premiers chapitres de le user manual de Vim. Genre, vous n'avez aucune excuse. C'est la base de la base de la base de Vim. C'est pas du Vim avancé. Donc les gens, c'est là qu'on commence à vraiment se servir de l'éditeur. Alors, ensuite. Mais quel peut être le troisième signe du gorée à ce niveau-là? Le troisième signe du gorée, c'est le mec qui croit que lorsque je fais Vim toto.c, il vient de s'opérer quelque chose de très sacré, de très solennel. Il vient de s'opérer le mariage de mon process Vim que je viens de lancer avec le fichier toto.c jusqu'à ce que la mort les sépare. Il ne pourra jamais rien d'autre. Ce Vim ne pourra jamais regarder un autre fichier. Et si un jour tu voudras éditer toto.h, spoiler, quand tu édites toto.c, c'est assez courant de vouloir éditer toto.h avec, ou bien le fichier de test associé, wink wink, c'est con quand même de faire deux points Q et de lancer un deuxième Vim. Donc, le troisième signe du gorée, c'est le mec qui n'a pas compris que Vim est capable d'éditer plusieurs fichiers en même temps. Alors,
Le truc, c'est que pour comprendre ça, il y a trois concepts à manipuler. Et il ne faut pas se faire avoir parce qu'ils ne disent pas vraiment la même chose que les autres éditeurs. C'est un peu la propre terminologie de Vim. Parce que Vim, ils aiment bien être un peu mondains là-dessus. La première chose, c'est ce qu'on appelle un buffer. Un buffer dans Vim, c'est la représentation interne en mémoire d'un fichier que j'ai décidé d'ouvrir. Potentiellement backé sur disque. Et il peut me dire, avec le petit plus, si j'ai sauvegardé ou pas. Mais en tout cas, c'est un fichier que je suis en train d'éditer. Une window, c'est une vue sur un buffer. Sous-entendu, il existe des buffers qui actuellement ne sont pas en train d'être vus. Et comme on a dépassé l'âge où on n'avait pas encore de permanence rétinienne, quand on était des ghosts, on cachait les yeux, on faisait bouh, il avait disparu. Bah, c'est pas parce que le fichier je le vois pas qu'il a disparu, il est encore là. Parce qu'on a dépassé le stade du miroir et qu'on a plus 2 ans. Donc, par exemple, ici, j'ai un buffer. Ce buffer s'appelle lol.c. Il est backé sur disque par rapport à un fichier et d'ailleurs, il a été écrit. Et j'ai une window qui est en train de regarder ce buffer. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux créer de nouvelles windows. Les windows, comment ça se crée ? C'est vachement marrant, ça se fait un peu par division cellulaire. Ça se fait en se splittant. On split à partir de notre window et je peux splitter horizontalement ou verticalement. Donc là, je vais faire un split vertical avec 2 points V-split. Mais je peux faire 2 points split pour splitter horizontalement. Et donc là, j'ai 3 windows, mais un seul buffer. Vous voyez ? J'ai 3 windows, mais un seul buffer. Je peux taper 2 points LS pour avoir la liste des buffers et me dire effectivement que j'en ai qu'un seul. Attendez, pour les gens qui sont en bas, regardez ce que je vais faire, parce que je suis quand même intelligent. Voilà. Comme ça, vous pouvez regarder ce qui se passe en haut. Mais ce que je peux faire également, regardez. Excusez-moi. Ce que je peux faire également, parce que j'ai pas oublié d'être con, c'est que je peux fermer les autres windows, garder que cette window-là, mais j'ai toujours un window, un buffer, et éditer tata.lol. Le fameux fichier tata.lol. Le fameux, bien sûr. Et actuellement, je n'ai qu'une seule window qui regarde le buffer tata.lol. Est-ce que toto.c est mort et enterré ? Non, il est encore là. La preuve, je fais 2 points LS et il me dit, regarde, ils sont là. C'est juste qu'actuellement, il n'y a personne qui le regarde. Et je peux resplitter ici et lui aller regarder le premier buffer et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder sur quelle est la commande que je tape, parce que la commande que je tape, elle est dans le putain de manuel. Mais comprenez l'idée que je peux avoir plusieurs choses en même temps, et même des choses qui ne sont pas en train d'être vues. Et ça, c'est quand même vachement, vachement, vachement puissant. Donc, on peut faire plusieurs choses en même temps. Le dernier truc qui est un peu fourbe, c'est les tabs, parce que les tabs n'ont pas vraiment le même sens que dans d'autres éditeurs. Dans Sublime Text ou dans Notepad, un tab, c'est une nouvelle window, mais un nouveau fichier. Et il y a un mariage tab-window-fichier dans n'importe quel autre éditeur. Ici, un tab, c'est une collection de windows. C'est un layout dont je me souviens. Et donc, par exemple, si ici j'avais un tab, j'avais un truc comme ça, donc avec 2 trucs en droite, un truc là et machin, un certain setup que j'aime bien avec tel buffer, je peux faire un nouveau tab. Ils sont là. Et à l'intérieur, bah lui, en fait, il était splitté. Il était splitté comme ça. Et lui, il était ouvert sur d'autres fichiers qui n'avaient rien à voir, qui étaient. Ici, c'était tous les trucs où je m'occupais de mon fichier que j'étais en train de regarder. Et puis ce tab-là, c'était tout ce qui était mon makefile et ma toolchain et mes trucs comme ça. C'est un peu conceptuellement des zones mentales différentes, si vous voulez. Et en fait, c'est jamais qu'une collection de windows en train de regarder des buffers. Et c'est pas parce que je suis pas sur ce tab que les buffers n'existent pas et ainsi de suite. Alors personnellement, je me sers pas énormément des tabs pour une raison toute conne, c'est que au moment où j'ai commencé, ça n'existait pas. Et je suis un vieux con. Mais un peu comme tout dans Vim, on prend les éléments qui nous plaisent. Et peut-être que vous allez vraiment raisonner avec ça, avec cette idée d'avoir des zones mentales, de grosses tâches conceptuelles que vous êtes en train de faire. Alors ça permet aussi de revenir sur un autre signe du Gorek, qui est un truc que je ne supporte pas, je ne l'ai pas marqué dans les slides, c'est les gens
qui ont un besoin de proximité entre leur éditeur et le fichier qu'ils éditent. C'est-à-dire qu'ils sont à un endroit et je leur dis, est-ce que tu pourrais regarder ce qui se trouve dans slash src, slash toto, slash lol, slash mdr.c? Et ils font, ah oui, d'accord, CD, src, CD, toto. Et ils font même pas CD, src, slash machin. Ils font CD, 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 CD. Et une fois qu'ils ont fait ça, ils regardent le truc qui est vraiment juste devant eux, ils le regardent et ils font Vim MDR. Et tu sais, c'est bon, il l'a regardé. Alors tu dis, ok, bon, c'est bon, j'aime bien. Et maintenant, tu peux montrer le point H à côté, histoire que je compare. Ah oui, donc déjà, deux points Q, c'est des points points, c'est des points points, c'est des points points. Et maintenant, je pars de les include. Vim MDR.H. Alors, et donc, en fait, tu as le droit de faire Vim de src slash quelque chose. Ça marche. Ça marche même avec n'importe quelle commande. C'est pas que du Vim, j'arrive. Mais ça marche avec n'importe quelle commande. Mais le nombre de personnes qui n'osent pas agir à distance. Genre, vous avez le droit de cat, de Vim, de CP, un truc où vous n'êtes pas pile poil devant. Vous n'êtes pas obligé de vous céder à l'intérieur d'un fichier, enfin à l'intérieur d'un dossier où il y a le fichier, juste pour agir dessus. Et moi, ce que je vous conseille, c'est garder votre Vim à la racine de votre projet. Là où il y a la racine, là où il y a le makefile, le src, les dossiers, les machins, vous vous mettez à l'intérieur, vous lancez Vim. Et à l'intérieur de ce Vim, vous pouvez faire des 2.e pour edit et aller ouvrir des fichiers à gauche, à droite et machin. Je peux 2.e, src, slash machin, je peux aller là, je peux aller là. Et vous êtes toujours à partir de la racine. Moi, c'est ce que je vous conseille. Mais en tout cas, arrêtez de céder des trucs, de céder partout, quoi. C'est stressant. Ouais. Oui. On peut faire ce qu'on appelle la notion de session. Personnellement, je m'en sers pas. Et il y a même un plugin par Team Pop qui s'appelle Obsession qui fait ça d'une manière encore mieux. Mais d'une manière générale, tu peux faire deux points MK session. Ah, ah oui, excuse-moi, oui. La question était, est-ce que je peux sauvegarder ces layouts pour plus tard? Et la réponse est oui, c'est un concept dans Vim. Moi, je m'en sers pas parce que je ne me sers pas des tabs, mais je sais qu'il existe, qui s'appelle le concept de session. Donc, tu peux faire deux points MK session, ça va créer un fichier comme ça qui sauvegarde tout ça. Ouais. La question, est-ce que ça sauvegarde les buffers? De mémoire, mais je suis pas sûr, j'ai pas trop joué avec, je suis désolé. Mais regarde un plugin qui s'appelle Obsession. Je sais qu'il est bien, mais comme moi, je me sers pas de cette feature-là, j'ai jamais joué avec. Donc ouais, moi, quelques petites références. Deux points help Windows, deux points help Tab Page pour avoir toutes les commandes. Mais comment il a fait pour splitter, pour sauter, pour resizer les windows et tout ça? C'est marqué dans le help. Mais sinon, mettez-vous dans votre racine, faites Vim depuis là, et vous pouvez lancer un nouveau fichier depuis Vim. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai fait Vim toto.c que Vim ne sera jamais capable d'ouvrir autre chose. À l'intérieur du Vim, maintenant, je peux faire 2.e pour edit tata.lol. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Donc, c'était le troisième signe du goré. Alors, les deux derniers sont un peu plus marrants. Le quatrième signe du goré, c'est faire du pop art avec son vimercé. Donc ça, comme je disais, moi j'ai pas de problème avec les plugins. J'ai un problème avec les gens. Ils se sont pris d'une créativité folle et ils font tout sauf un travail d'ingénieur. Ils font un travail d'artiste, ils font un travail de création, ils font un travail d'exploration, un travail de découverte. Et je trouve que c'est bien. On est tous dans des phases dans notre vie où on a besoin de faire ça, mais c'est pas un travail d'ingénieur. C'est-à-dire que plutôt que de lire la doc, de dire telle flag m'intéresse, tiens, j'ai vu telle option que je ne comprenais pas dans le vimercé de quelqu'un, et si je lisais la help page, ah, ça m'intéresse, effectivement, je vais le prendre. À la place, c'est bah écoute, j'avais un post sur Reddit, il a dit qu'il fallait mettre tel plugin, donc moi j'ai copié-collé ça. Et puis tout ce bout-là, là, c'est 150 lignes, c'est celle du vimercé de mon pote, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, j'ai vu que ça marchait bien. Ah, et puis là, c'est les autres options. Ah, il y a un conflit entre les deux. Et à chaque fois que je lance Vim, il y a un message d'erreur. Mais j'appuie sur Entrée, il disparaît. J'ai jamais vraiment cherché à savoir ce qu'il y avait marqué dessus. Et je ne comprends pas comment on peut avoir un tel rapport à son outil. Je ne comprends pas comment c'est possible. Donc, j'ai rien contre les plugins. Moi aussi, je me sers de plugins. Mais il y a les bases. Apprenez d'abord les bases et lisez ce putain de manuel. Et c'est pas parce qu'un plugin est populaire qu'il est bien, parce qu'il y a beaucoup d'idiots sur Terre. Il y a des plugins qui sont bien, il y a des plugins qui sont moins bien. Généralement, tous les plugins qui vous parlent de transformer Vim en un IDE, il faut à peu près partir en courant.
Je me rappelle le truc à peu près. Alors, Syntastic, par exemple, que j'aime pas du tout. Le pire, c'est Vim, You Complete Me. Je le déteste. Mais bref, un plugin qui était vachement marrant à l'époque où tout le monde se servait, lorsqu'il fallait rédiger notre rapport de stage en LaTeX. Et donc, il y avait le plugin qu'on avait tous installé dans notre promo, c'était il y a longtemps, hein, qui était le. Qui transformait Vim en IDE pour le LaTeX. Et il se croyait trop intelligent, ce plugin. C'était toute une toolchain de la mort qui tue. Waouh, ça a l'air bien. Alors, j'ai pas lu la main de page de tous les mappings qu'il fait, mais il y en a plein, donc ça doit être bien. Alors, d'abord, je vais l'installer, après, je verrai si c'est drôle. C'est pas grave si je casse tout en attendant. Et alors, c'était un plugin complètement stupide, parce qu'ils avaient considéré que on allait faire des sortes de snippets de texte qui pop automatiquement lorsqu'on tapait une certaine combinaison de touches en mode insertion. Ce qui est genre la définition du crime de guerre. Et genre, par exemple, ils avaient dit, bah, lorsque tu tapes EPI en majuscule, eh bien, en fait, ça remplace ton truc par, ça crée une subsection. Parce que qui c'est qui taperait EPI en majuscule dans son fichier? Je sais pas, genre, tous les élèves de l'EPITA en train de rédiger leur rapport de stage, par exemple. Donc, les gens qui disent, oui, non, mais de toute façon, ça va pas arriver. Ouais, ben non. Donc voilà, il y a des plugins, ils sont très populaires et ils sont infects. Donc réfléchissez d'abord et arrêtez de mettre des lignes dans votre vimercé sans savoir ce qu'il y a marqué dedans. Vous voyez une ligne qui a l'air drôle, vous lisez la doc, vous faites deux points help cette option, vous lisez un peu, elle fait cinq lignes généralement, la description de l'option, c'est pas très compliqué, et vous dites oui ou non, ça m'intéresse. Vous la mettez pas. Voilà, donc ça, vous voyez que ça c'est un. Ça, c'est un goré qui me fait particulièrement du mal, comme les autres, comme tous les gorés. Non, parce que lui, il le cherche. Lui, c'est le goré qui cherche des coups. Et enfin, je vais terminer sur le dernier goré avant de partir sur les features fun. Et c'est un goré où, paradoxalement, vous, ici, vous êtes le plus à risque. Vous êtes une population à risque pour devenir ce goré-là. Ne faites attention à ne pas devenir le goré qui écoute aux vieux cons comme moi, qui écoute les vieux cons comme moi. Ce que je veux dire par là, c'est que, comme je l'ai dit avant, customiser son outil de travail, c'est notre rapport à la production, c'est notre rapport à l'outil, c'est notre rapport à notre travail, c'est quelque chose de très intime et de très personnel. Et je vous rassure, tout le monde a cette option ou ce mapping ou ce plugin ou ce machin, ou pour les autres, en fait, c'est un crime. Genre moi, j'ai des habitudes où quand je m'en sers, la vieille garde sur Freenode, elle est en mode... Mais tu fais comme ça! Mais c'est pas optimal! Ouais, bah écoute, j'ai toujours fait comme ça, et puis maintenant je fais comme ça, et puis merde! Et le même mec qui fait ça, il a tel autre mapping où je fais Ah, oh, mais non, c'est un crime! On a tous notre petit truc. On n'est pas des êtres humains parfaits. C'est pour ça que Dieu, il est mort sur sa croix comme ça. C'est pour qu'on ait le droit d'être imparfait. Donc, autorisez-vous le blasphème. Autorisez-vous de vous faire votre propre chemin et de ne pas avoir une vision. Dogmatique de Vim, parce que la finalité, c'est comment vous vous en servez et quel est votre rapport à l'outil. Et ça, c'est quelque chose d'unique et de personnel. Le seul truc sur lequel je serai dogmatique, c'est quels que soient les choix que vous allez faire, le choix de plugin, le choix de mapping, le choix d'options, whatever, que ce soit un choix éclairé. Lisez la doc, pesez le pour et le contre, et peut-être vous direz, écoutez, la plupart des gens n'aiment pas. Mais moi j'aime bien, donc je l'utilise, et puis merde. Et puis voilà. Et puis au final, il n'y a pas une licence de permis d'utiliser Vim, et il n'y a personne qui va vous interrompre et vous arrêter et vous virer parce que vous utilisez tel flag ou tel mapping. Au pire, il y aura un connard à côté qui fera comme ça. Et c'est le moment où tu demanderas, est-ce que tu es ici pour qu'on produise quelque chose, ou est-ce que tu es là pour avoir un sentiment de supériorité qui compense la taille de ta bite, quoi. Non, mais déjà, je le dis vulgairement, mais je supporte pas les mecs qui regardent les outils des autres, c'est en mode toi tu t'en es servi comme ça. Ouais, je me suis servi comme ça, connard. Bref. Excusez-moi, c'est des moments, mes souvenirs d'étudiant. Donc voilà, faites attention, vous êtes la population à risque. Ne devenez pas des dogmatiques en train de dire Vim, de toute façon, c'est l'envoyé de Dieu sur Terre. Et de toute façon, si t'es pas un VME, bah tu mérites pas de coder, de toute façon. Et puis d'ailleurs, Vim, faut s'en servir avec telle flag et telle option et tel plugin. Par contre, si tu mets tel plugin, bah t'es pas un vrai VME. Ça s'appelle du gatekeeping et ça, c'est de la merde, les gars. Donc faites pas de gatekeeping, s'il vous plaît. Bref, voici pour les 5 signes du goré. Alors, c'était censé prendre un tiers de la conf et j'ai pris. Oh, tout va bien, tout va bien. Je boucle assez rapidement, vous en faites pas. J'enchaîne juste sur les killer features.
soit je considère être les killer features qu'on peut faire dans Vim sans utiliser de plugin. Il n'y en a pas beaucoup, j'en ai sélectionné quelques-unes que je trouve vachement stylées. La première à laquelle je pense immédiatement, qui est beaucoup trop puissante, c'est la Quick Fix List. La Quick Fix List, il n'y a pas assez de gens qui connaissent. Vim a une Quick Fix List qui est une sorte de tableau, il y en a même plusieurs, mais ils s'en souviennent de plusieurs, qui contient une collection de résultats sur lesquels on peut jumper. Et ces résultats peuvent être les résultats d'une recherche, les résultats de toutes les recherches de schematic tag, les résultats d'erreurs d'une compilation, c'est pour ça que ça s'appelle la Quick Fix List, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, le but de Vim et la manière dont ça a été conçu, c'est que plutôt que de faire CTRL-Z, taper make et de dire « Alors le fichier toto.c à la ligne machin, il a un message d'erreur », bah plutôt que d'arriver et de faire... alors je vais essayer de... attention. Hein, attendez, j'en avais un ici. C'est les TMP, make dire lol. Attention, on va faire le makefile de la mort qui tue. Attention, vous êtes prêts. Lol. Il y a besoin de mettre rien d'autre d'ailleurs, hein, en plus. Si maintenant je fais un lol.c, voilà, vous êtes d'accord que j'ai le droit de faire make et il m'a compilé mon lol. Vous êtes d'accord? Ok, alors maintenant, est-ce qu'on pourrait arrêter s'il vous plaît lorsque quelqu'un fait un message d'erreur? Alors, j'ai besoin de sauvegarder. CTRL-Z, make, message d'erreur, ligne machin, Alors déjà, je n'appuie pas sur Vim, je fais FG. J'ai déjà arrêté mes premiers trucs du goré, c'est cool, je suis déjà pas un goré. C'était à quelle ligne déjà le message d'erreur? Je ne me rappelle plus. Ligne 4, c'était quoi le message d'erreur? Un point virgule? Ah non, je comprends pas, il y a le point virgule. Attends, ça devait être autre chose. J'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Alors, je vais vous montrer un truc, et ça, je vous assure que c'est sans plugin. Je vous assure, ce que je vais vous montrer, c'est sans plugin. Vous êtes prêts? 2.make. Oh! Voici la quick fix list avec toutes les entrées, toutes les erreurs. Et regardez les gars, quand j'appuie sur entrée, il m'a jumpé là où il y a le truc. La quick fix list, c'est beaucoup trop puissant. Alors, elle a une cousine qui s'appelle la location list. La différence, c'est que la quick fix list est globale à tout Vim, mais il y a un historique des quick fix list, et chaque window peut avoir sa propre location list. C'est qu'on fait des recherches, mais bref, grosso merdo, comprenez. Toutes les commandes qui manipulent la quick fix list ont une variante qui préfixe par un L, qui s'appelle la location, qui remplit à la place la location list. Donc, par exemple, on a deux points grep qui grep un mot. Genre, par exemple, attendez. Là. Blala, SDF, blala, blala, SDF, blala. Et maintenant je fais deux points grep, SDF. Bon, j'ai fait de la merde. Eh ben ça marche pas parce que je suis un connard, je me rappelle plus de. Il veut greper un fichier, un truc comme ça. Bon, c'est pas grave. Non? Va te faire foutre. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, il y avait la version grep, la version lgrep. Et il y a tous les trucs qui ont leur variante. Et grosso merdo, 2.make, ça marche de base. Et spoiler, moi je m'en sers à la fois. Je me sers de deux grands cas d'utilisation de ma quick fix list. Non, trois grands cas. Attends, plein de cas en fait. Lorsque je fais une recherche, genre moi j'utilise enfin 2.hack. J'utilise hack, c'est une variante de grep, mais bon, c'est pas grave. Ça me remplit dans ma quick fix list toutes les entrées de ma recherche, des trucs que je cherchais. Lorsque je compile le résultat de compilation, j'aimerais que ça affiche de la config list parce qu'il est capable de les parser et de sauter dessus. Lorsque je lance des tests unitaires, ma test suite, j'aimerais aussi ne pas avoir à quitter Vim et qu'il puisse me montrer la config list tous les tests qu'on merdait pour que je puisse sauter sur le test qu'a merdé. C'est relativement utile. Lorsque je fais des recherches, des tags et tous ces trucs-là. Donc la config list, c'est méga puissant. Lisez la main de page sur la config list et comment la manipuler. Et franchement, à partir du moment où vous comprenez ça, vous ne ferez plus jamais CTRL-Z make, vous ferez 2.make et vous serez les personnes les plus heureuses du monde. Moi j'ai un petit mapping, virgule M pour lancer mes makes, mais en tout cas, c'est super puissant.
c'est sans deck une killer feature. C'est une killer feature. Alors, faut lire un peu plus la doc en avancé pour avoir plusieurs choses qui se passent quand je fais 2.make, ce qu'on appelle le make programme. Qu'est-ce qui est exécuté lorsque je tape 2.make? Par défaut, il exécute make. Mais je pourrais par exemple dire, quand j'appuie 2.make, à la place, lance telle commande. Pour lancer mon truc de checker, mon truc de machin. Et il y a moyen pour jongler entre plusieurs settings de ce qui se passe lorsque j'appuie sur make, mais je vais pas rentrer dans les détails. Vous lirez la doc. Comprenez juste que la quick list, c'est une killer feature. Genre, sans deck, c'est une killer feature. Autre killer feature, juste en termes de priorité, de temps, je saute d'abord, je reviendrai après. Fuck it, on les met dans l'ordre. Les tags. Alors, qu'est-ce que c'est que les tags? Les tags, c'est des symboles qui ont été extraits de votre code source. Et en fait, ce n'est pas Vim qui les génère, mais il existe un programme qui s'appelle Ctags et qui peut générer ce qu'on appelle un fichier de tags. Alors moi, j'ai un plugin qui les génère automatiquement à chaque fois que j'ouvre un Vim, parce que je suis à foutre que tu appelles la commande. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça sert un peu d'index qui dit tel symbole et telle fonction est défini dans tel fichier à telle ligne. Eh bien, vous pouvez demander à Vim de s'en servir. Et ça, c'est méga puissant. Je donne un exemple. Il me semble, si je ne suis pas un connard... Ouais, voilà. J'avais cloné l'arbre de Git. Le logiciel Git, le code source de Git, je l'ai cloné. Pour la blague. Donc, c'est un énorme truc, hein. Eh bien, en fait, ce qui est super marrant, alors, on va présenter à l'avance, on va sauter sur remote.c, par exemple. Et, la fonction alias URL. Par exemple, prenons elle. Bon, oublions que maintenant, il y avait alias URL, et en fait, j'étais dans... Alors déjà, je vais générer des ctags. Ctags-r. Voilà, il m'a généré un super fichier qui s'appelle le fichier de tags. Qui est littéralement la liste de tous les symboles. À 32 000 lignes. Alors, ne le commitez pas, par pitié. Hein. Il n'est pas lourd, mais ne le commitez pas. Mais regardez, si par exemple, j'étais dans fetchpack.h, allez. Ah, j'aimerais bien sauter sur le tag machin, gna gna gna. Eh bien, oui, effectivement, tag... alors, c'était quoi? C'était toi. Bon, align type, tiens, voilà, j'ai sauté sur ce tag-là. Si vous savez le nom de la fonction sur laquelle vous voulez sauter, tapez son tag. Et ça, c'est méga, méga puissant. La recherche en tag est une recherche extrêmement puissante. Vous pouvez sauter sur la définition d'un type, la définition d'une struct, la définition d'une fonction, d'un machin. Vous pouvez sauter n'importe où. C'est méga puissant, les tags. Si vous savez où un endroit, plutôt que de dire « il est dans tel fichier qui se trouve à tel dossier », c'est « je veux tel symbole ». Il y a plein de trucs marrants à faire avec les tags. Il y a aussi un autre truc qui est super drôle. Je vais essayer de choper un endroit où j'appelle une fonction. Genre update shallow. J'ai carrément le mapping pour sauter sur le tag. Sauter sur la définition de la fonction. Youpla. Même s'il est dans un autre... Là, c'était un truc qui était dans le même fichier. Hein. Mais je vous dis, c'est un truc qui pourrait être dans un autre OID7 iterinit. Voilà. Et... Hop là. J'ai sauté là-dessus. C'est méga puissant. Et ensuite, je fais CTRL-T et je suis revenu là où j'étais avant. Vraiment, les tags, pareil, killer feature. Arrêtez de raisonner en termes de fichiers, de machins, de recherche. Vous générez vos tags. Moi, j'utilise un plugin qui s'appelle GutenTags qui génère automatiquement les tags, donc je n'ai pas à le faire. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai nommé. Hein. Et grosso merdo, quand je vois un mot, je vais voir sa définition, je lance le mapping, je saute sur le tag. Je vais aller sur un tag en particulier. Je sais que je veux modifier la fonction qui s'appelle alias URL, :tag, alias... alias URL, et merci, j'ai sauté dessus. Donc voilà, le 2.0 sur Tag Search, pour naviguer ou pour rechercher, c'est méga puissant. Pour les gens qui se posaient la question, « Oh mais Vim, c'est bien pour un petit fichier, mais quand même, tu vas pas Vim pour l'intégrité du noyau Linux en C ?» Bah si, j'utilise Vim pour ça. Mais comment tu fais, il y a tellement de fichiers? Bah j'utilise les tags en fait. Et en fait, avec les tags, je m'en sors très très bien. C'est vraiment... C'est super puissant. Les tags, c'est le truc qui fait que vous pouvez vous servir de Vim pour un projet de je sais pas combien de centaines de milliers de lignes et quand même réussir à vous en sortir. Les tags, c'est la vie. Alors, la complétion, j'en parle très rapidement, mais pas plus que ça.
parce que moi personnellement je m'en sers pas. Je fais pas de jugement de valeur sur les gens qui s'en servent. Moi personnellement je suis quelqu'un qui écrit très lentement et je me sers du moment où j'écris très lentement pour réfléchir en même temps. Je suis pas quelqu'un qui programme rapidement. Si quelqu'un m'a déjà vu programmer, je programme très très lentement moi. Et donc du coup toutes les features d'autocomplétion je ne m'en sers pas, je n'aime pas ça, ça me stresse. Donc c'est pour ça que je m'y connais pas énormément mais je vous en parlais un peu rapidement. Vim vient de base avec plein de features de complétion, d'autocomplétion. Il y a la complétion de ligne. Attendez. La complétion de ligne où, par exemple, je tapais int, machin, gna, ctrl XL. Bon, là, j'avais qu'une seule ligne comme ça, mais ça permet de compléter une ligne. Il y a un truc pour compléter juste un mot qui existe déjà dans le buffer. Et ça, c'est quand même vachement drôle. Il y a... qu'est-ce que je voulais dire ? J'étais dans les complétions. Il y a une complétion qui est super drôle. Si je reviens sur mon makefile, la complétion de fichiers, CTRL XF, il va chercher les fichiers qui existent dans le dossier là où je suis. Vachement bien pour autocompléter un makefile ou un truc comme ça. D'une manière générale, il y a un truc qui est super drôle aussi, ça j'en ai pas parlé. Si vous include mdr.h par exemple, et que vous avez un mdr.h hein, avec des conneries dedans, en fait, quand vous mettez ici, vous tapez gf pour go to file, et ça vous rend à l'intérieur du header. Et en fait, d'une manière générale, si vous êtes dans votre makefile, et vous tapez gf sur lol.c, bah, ça vous rend dans lol.c. C'est pas de plugin, c'est de base. C'est tellement bien. Et tout ce que je vous raconte là, pour l'instant, j'ai pas parlé du moindre plugin. Hein. Donc bref, mais l'autocomplétion la plus connue, c'est ce qu'on appelle l'omnicomplétion. C'est la complétion qui comprend votre langage. C'est « Ah, t'es la struct toto, j'ai fait toto point, bah, j'ai rempli avec tel champ et machin. » Alors, par défaut, Vim sait faire automatiquement, sans aucun plugin, de l'autocomplétion pour certains langages interprétés comme Python, Ruby et Perl de mémoire, mais je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, Python et Ruby, parce qu'on peut faire des plugins en Python n'importe quoi. Pour les autres langages, il n'y a pas de miracle. Il va devoir dépendre d'un plugin à côté pour faire ça. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt d'utiliser des horreurs comme YouCompleteMe qui font des machins où tu appuies sur Tab et du machin. Il existe le mécanisme, ça s'appelle l'omnicomplétion, CTRL XO, et ça remplace un truc, vous pouvez changer le mapping si vous voulez. Un bon plugin d'autocomplétion en Vim est un plugin qui se contente d'augmenter la feature d'omnicomplétion avec le support d'un nouveau langage. Pas un plugin de merde qui demande de compiler 25 000 trucs, genre le plugin qui est le plus populaire actuellement, qui s'appelle YouCompleteMe, qui est absolument dégueulasse, qui est fait par un connard qui n'a même pas vu qu'il y avait un truc qui s'appelait l'omnicomplétion, et qui a tout recodé la roue à côté. Et en plus, mal. Donc un bon plugin d'autocomplétion, si vous voulez vous en servir, c'est quelqu'un qui augmente l'omnicomplétion. Alors de nos jours, avant, il fallait faire un plugin différent à chaque fois. De nos jours, il y a un nouveau truc qui s'appelle LSP, le Language Server Protocol, qui est une sorte de standard sur lequel les gens ont commencé à se mettre d'accord sur comment l'autocomplétion et tous les trucs comme ça devaient marcher d'un éditeur à l'autre et d'un langage à un autre. Et en gros, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est faire un plugin pour que Vim parle le LSP et vous gagnerez automatiquement le pouvoir de tous les trucs qui sont LSP aware. Je rentre pas trop dans les détails parce que je ne me suis pas trop servi, mais en gros, si vous voulez regarder, regardez plutôt du côté de lsp.langserver.org et sinon lisez la même page sur les complétions. Mais moi personnellement, je m'en sers pas trop. Le seul truc dont je me sers, c'est les snippets, c'est un plugin à la con. Ça va ça ? Alors, dernier petit truc, avant de parler de la dernière killer feature, c'est le futur de Vim. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Vim, juste avant Vim 8.0, je ne sais pas si c'était Vim 7. combien, je ne sais plus trop combien, il y a eu du drama et il y a eu le fameux fork avec NeoVim. Il y a eu le fork avec NeoVim parce que, grosso merdo, je peux me tromper, mais la feature, c'était, le mec a fait une pull request, submit un patch pour ajouter le support de job asynchrone qui tourne en background dans Vim, qui puisse être réutilisé derrière, genre je lance 2.make, ça prend bien 10 secondes à tourner, j'aimerais que mon Vim ne soit pas bloqué comme ça, parce qu'il est monothread, mais qu'à la place il tourne en background avec un autre process et qu'après il me notifie.
Je crois que c'était ça, c'est un truc dans le genre. Et bref, il y a eu du drama, le patch n'a pas été accepté pour des raisons X ou Y. Le mec, plutôt que d'accepter le patch, parce que personne n'est tout blanc dans l'histoire, était persuadé qu'en fait c'était un crime de lèse-majesté, que la raison pour laquelle le patch n'avait pas été accepté, c'est parce que le mec aimait pas sa gueule et qu'il avait dit qu'il ne voudrait pas jamais de job asynchrone et que c'était pas bien. Non, c'était pas ça, juste que le patch n'était pas de bonne qualité. Enfin bref, des histoires du drama. Je sais pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort, mais bref, toujours est-il, le mec a forqué. Et il a forqué en faisant NeoVim. Et NeoVim, c'est un fork de Vim où ils ont dit déjà, on retire toutes les vieilles conneries. Il y en a marre d'avoir d'être super lent et de devoir marcher sur des œufs parce qu'on doit respecter la compatibilité avec une machine qui n'est plus produite depuis 30 ans. Genre, on s'en fout. Viens, on le drop. Et en plus, viens, on rajoute des trucs fun, genre les jobs asynchrones, l'intégration d'un terminal. Et là, sur le coup, t'avais tout le monde qui était en mode, oh putain, les mecs, ils ont jamais vraiment compris c'était quoi Vim, ils ont bien fait de forquer et jouer ailleurs. Les gars, ils veulent un terminal intégré dans Vim. Oh, les autres, oh, ils sont nuls. Et bref, ce qui est super marrant, c'est qu'il y a eu le fork, les gens se foutent sur la gueule. Puis t'as Vim 8.0 qui arrive, et puis il y a le support des jobs asynchrones et un package manager, qui sont des features qui ont été rajoutées par NeoVim. T'as Vim 8.1 qui sort. T'as un terminal intégré et t'as un plugin de débuggeur. Et là, les gens qui n'arrêtaient pas d'être en mode Vim, on n'aura jamais un débuggeur intégré parce qu'on n'est pas un IDE. Alors, j'ai fait une superbe screen cap. Il s'agit, attention, du diff de ma meilleure helpage, de ma helpage préférée sur Vim, qui est le help design note. Le 2.help design-note, c'est un peu une page de la helpage qui dit Vim n'est pas. Et il y avait marqué Vim ne sera jamais un débuggeur. Vim n'aura jamais de terminal intégré. Et attention, regardez. Vachement drôle, regardez la patch note lorsqu'on est passé en 8.1. Donc ici en rouge, Vim n'est pas un shell ou une batter system. Vous ne serez pas capable de faire tourner un shell à l'intérieur de Vim ou vous en servir pour contrôler un débuggeur. Parce que c'est de la merde. On arrive en 8.1, le truc est retiré à la place. Vim file un terminal et un shell ou un débuggeur. Coucou! Ah, ça va mieux là! Ah, ça va mieux! Ça parle de Vim! Il y a des Strasbourgeois dans le tas là? Ah, c'est le. Ah, pardon, pardon! C'est le chouchen, c'est le chouchen. Merci beaucoup. Et Pita, c'est une école où on prend soin de ses employés. Mais tout le monde me connaît, je bois que ça. Tous les gens savent, dès que je veux du Belay, je le bois. J'adore les liqueurs, c'est plein de sucre. Bref. Oui, bah écoute, je vis très très bien mon absence de virilité. Hein. Bref. Donc, c'était quand même assez drôle cette histoire. Toujours est-il qu'on s'est retrouvé dans une situation où maintenant Vim a un shell intégré. Et en vrai, je vais vous dire, sur le coup, j'étais en mode que waouh, c'est un crime! Vim a perdu, il s'est fourvoyé, il s'est dévoyé. Ça y est, c'est l'effet NeoVim, et vraiment. Vim, c'est vraiment devenu de la merde, c'est plus ce que c'était, gna 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 gna. Ce qui est à peu près, et tu vois les gens qui réagissent comme ça, c'est à peu près la même chose quand on a fait un film de super-héros où cette fois-ci, c'est pas un monsieur, mais c'est une madame qui est le protagoniste. C'est que ouah! Que ouah! Mon Dieu! Mais c'est pas un homme blanc! Mais je peux pas m'identifier! Oh là là! Mais en fait, c'est exactement pareil, c'est en mode, mais tu sais, en fait, je t'ai retiré aucune feature. Genre, t'as le droit de ne pas appuyer sur deux points terminal. Mais en vrai, bah en vrai, la feature, elle est plutôt cool en vrai. Et en fait, une fois que t'as fini de cracher comme un putois, tu te rends compte que si tu l'aimes pas, bah de toute façon, ça t'impacte pas. Et tu fais comme si elle n'existait pas. Et si tu l'aimes bien, bah en vrai, elle marche plutôt bien. Et le plugin de débuggeur intégré, eh bah, il est assez puissant. Et je vais vous le montrer dès que j'ai fini mon. Alors, j'ai complètement démonté. Alors, allez, j'aimerais effacer tout ce qui se trouve à partir de là, dans mon fichier. Dégranger. Merci. Donc, c'est bien. Missing separator. Ah oui, ta gueule.
Ah oui. Et le return. Alors, pour faire le truc, on va faire un truc quand même avec un print, un puts. Alors, printf, pour ne pas mettre de format string à l'intérieur, ça a le droit de mettre un puts. Hein, c'est... Ouais. Qui va appeler la fonction lolmdr et qui lui-même va puts lolmdr. Ça a l'air bien. Et en fait, regardez, le truc est super puissant, ce que je vais faire. Je peux compiler, c'est cool. Eh bien, deux points terme debug, le GDB intégré. Eh bien, en vrai, il est plutôt bien. Et alors, il me pop. Alors, vous savez quoi? Désolé pour les gens un peu en bas, mais je vais booter le shell pour voir. Il y a... Attendez. Où est ma... Je refais. Il me fait trois windows que je peux réagencer comme je veux. Une window avec GDB qui est en train de tourner. Une window avec l'output que va me faire le programme. C'est fini d'avoir les prints qui me sabotent mon output. Et la window avec les choses sur lesquelles il va sauter de mon code source. Parce que c'est fini d'avoir mon truc qui se fait casser machin. Et donc en fait, je peux arriver ici, je peux faire file de lol. J'aurais pu faire term debug lol aussi. Je vais breaker sur lolmdr. Attention, je run. Il y a lol qui est apparu ici. J'ai sauté ici. Et regardez, je peux step. Ah non. Ah, j'ai pas appelé la fonction. Il fallait me le dire, bande de schtroumpf. Oui. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire avec mon shell? Lolmdr. Nous disions donc. on va recompiler peut-être, ça a l'air cool. C'est bon, j'ai recompilé. Term debug de lol. Attention, B sur lolmdr. Voilà, merci. Et regardez, ici à l'intérieur, je peux step. Oh putain, il est chiant. Bon, c'est bon, j'ai des becs. Elle a plus de batterie, c'est pour ça. Elle a plus de batterie. Je vais gueuler fort à la place en attendant. Ah. Bon, je termine en gueulant. Plugin, assez rapidement. Oula. Un plugin.
Comme ça, il va arrêter de m'emmerder. Putain. Toc. Ça remarche, là ? Oh, putain, t'es trop fort. Merci. Donc, et en fait, le super fichier de configuration possède, c'est un fichier en ini avec les tags et blablabla. Et puis, il y a le fameux moment où il y a la fameuse option lol qui prend en paramètre Toto. Et ensuite, blablabla. Et la calibration qui est calibrée à 42. Et également dans la sanction blablabla. MDR égale tutu. Voilà. Attention, le magnifique fichier de config qui est extrêmement représentatif de la vraie vie. J'ai aucune idée de ce que fait le câble là, mais ça me stresse. Bref, ça me stresse. On va faire un petit commit pour ça. Ok, et maintenant, on va créer un conflit. Comment on va créer un conflit ? On va faire une branche qui s'appelle foo, qui, elle, dans lol.conf, bah, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle ajoute, dans la liste des modules à charger, elle ajoute également le module foo. Et également, ici, elle ajoute le module foo. Et la calibration, en fait, elle l'a bougée à 51. Comme le pastis. Bah 42 comme le nombre, 51 comme le pastis, bien sûr. Et lui, c'est le commit foo. Et pendant ce temps-là, en parallèle, je reviens sur master, pendant ce temps-là, en parallèle, il y avait bar qui, lui, en fait, bah, il ajoutait à la liste des modules bar. Et lui, par contre, il a calibré à 69, comme l'année. Comme Gainsbourg. Merci. On va faire un commit, peut-être. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Je reviens chez master. Peut-être dire master. Je merge foo. Tout va bien. Et puis là, attention, je merge bar. Et là... c'est le drame. Ah ! Donc, généralement, la réaction naturelle d'un ingin, enfin d'un ingénieur normalement formé, c'est d'assumer ce qu'on appelle la position de l'étoile de mer. Donc, la position de l'étoile de mer, c'est ça. Voilà, c'est... ah ! Je touche plus à rien. C'est la position de l'étoile de mer. Il ne faut pas avoir peur du conflit. Le truc, c'est que lorsqu'il se passe un conflit, Vim automatiquement... Git, pardon, modifie votre fichier en mettant des petits headers comme ça. Et à chaque fois, en vous disant, ah bah ici, il y a un conflit, ça c'est la version que j'avais, ça c'est la version que tu proposes de merger, bah je prends laquelle. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc si seulement j'avais un moyen dans Vim, un, de sauter de marqueur de conflit à marqueur de conflit, ce serait quand même vachement bien. Et quand tu veux, et également, si je pouvais facilement sélectionner un truc rapidement. Si seulement j'avais tout ça, heureusement, il existe la commande. Alors, la commande, elle a un nom qui est absolument à vomir. G, parce que c'est le truc de fugitive. V pour faire un split vertical plutôt qu'horizontal. Diff split pour faire le split en trois temps. Et point d'exclamation pour faire en three-way. Bref, détail. Et je peux sauter de marqueur de conflit en marqueur de conflit. Et regardez, à chaque fois, je peux dire, ici, là par exemple, si je vais sur ce marqueur de conflit qui est ici, j'ai une commande rapide. Les cas qui sont en haut et en bas, il va falloir faire une résolution manuelle où ça ne peut pas être automatique. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est toutou, toto, virgule fou, virgule bar, ici. Par contre, ici, il n'y en a qu'un seul des deux qui peut survivre. Et en fait, c'est 51 qui avait raison. Et en fait, j'ai envie de dire, non, prends tout ce qui est du côté qui est à gauche. Merci. Ça, c'est une résolution de conflit. Et ici, pareil, je peux arriver et résoudre le truc à ma sauce. Donc ça, et je peux sauter de conflit en conflit, comme je disais, c'est vraiment beaucoup trop puissant. Rien que pour ça, j'ai plus peur des conflits. À savoir que je n'ai pas entièrement fini de résoudre le truc, mais vous pouvez configurer Git, pour lui demander, lorsqu'il y a un problème, de lancer ce binaire. Vous pouvez regarder dans par exemple, mon git config, blablabla, 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 ici. Attendez. Merge, tool, fugitive, et la commande, c'est j'applique ça.
retrouver ça sur mon GitHub, hein, au pire. Et en gros, ça permet que si je tape git merge tool, il me lance automatiquement le truc sur là où il y a le conflit et machin. Et quand vous le fermez, il vous dit on dirait que t'as pas changé, t'as réussi ton merge ou pas? Non, pas encore, j'y reviendrai plus tard. Et puis voilà, donc bref, rien que pour ça, c'est vraiment une killer feature. Je regarde le temps, je vais m'arrêter là parce que comme ça, ça va faire pile poil une heure et demie. Juste pour conclure, sur une dernière slide, si vous voulez absolument regarder mon vimercé à moi, je vais vous le montrer très rapidement. github.com/chewy/.files. C'est pas le meilleur du monde, c'est juste le mien. Il y a des bouts avec lesquels vous ne serez pas d'accord. Et c'est pas grave. Mais juste, je ne veux pas voir des élèves qui copie-collent mon vimercé sans le lire et qui s'amusent à le mettre. Vous regardez s'il y a des bouts qui vous intéressent ou sinon vous en servez pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est... J'ai juste effleuré la surface. Ouais. Ouais, on va uploader avec les AQ toutes les slides. On a fait un dépôt en interne, on a toutes les slides de tout ce qu'on a fait. Donc on les a, il y a juste à trouver le mode de diffusion adapté. Mais clairement, on va vous balancer les slides. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez regarder tout là-dessus. Et il y a mon vimercé, mon ZSHRC, mon guide config et tout ça. Voilà, je vous remercie énormément. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Et ça, ça va capter mon, ma voix. Quoi? Oh putain. Attends, ça marche comment? Je sais pas, mais on m'entend pas? Non, ça amplifie pas. Attends, si je dis que c'est ça le primary, non, c'est tout cassé aussi. Si tu changes la résolution de ton EDP1, sinon, pour être pas même. Bah, faisons. Bah, ouais, mais c'est. Ah, c'est, ah, y a beaucoup de choix, ouais. C'est de la merde aussi, hein. C'est mieux ou pas? Non, mais on voit pas tout sur le stream. C'est moins pire. Parce que moi. Normalement, en plus, c'est censé rescaler tout seul. Là, t'as pas de signal, d'accord. Au pire, on voulait pas mettre la caméra sur l'écran. Non, mais. Non, mais. Genre, respecte-toi un peu. Et là, t'as un truc? Non. Putain. On a refaire lui. Attends, déjà, j'ai. 1080p. Mais est-ce que. Son écran, c'est 3000 par quelque chose. C'est 3000 par 2000, ouais. C'est un peu beaucoup, mais attends, on va faire ça et on va. Ça. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est censé être plus vachement plus petit. Hein. Parce que le truc, c'est qu'encore si j'avais la télé là, je m'en battrais les couilles, tu vois. Parce que je regarderais sur la télé et je coderais là, mais. Et là, il voit vraiment pas tout. Quoi. Si je. Ah, là, il n'y a plus de signal du tout. Donc là, on est sur. Le suspense est intenable. Hein. Petit pépère. Hein. Bon, moi, je vais tenter un truc en attendant. J'avais pas fini un truc. On va tenter I3. Toi, tu dégages. Je tentais un truc à côté. Hein. Des fois que je doute que. Ouais, voilà. On sait jamais après tout. Non, non, parce que là, je suis pas sur I3 encore. T'es sûr c'est bon, là? T'es sûr c'est bon, là? D'accord. Est-ce que tu vois mon prompt en bas? Mon prompt. Non, donc on voit pas tout sur le stream. C'est super. Je... Ouais, bah, faut que je switch sur I3, alors. Je switch sur I3, deux secondes. Ça a pas marché. Ça a pas marché en plus. C'est génial ça. Tu peux pas. Oui, d'accord. Attends deux secs. Hein. Attends, hein, je bouge pas. Hein, je. Oui, bah t'occupes. Je fais ce que je peux, hein. Bah, un connard. Ouais, ça a pas marché. C'est de la merde. Très bien. Tu crois que si je pékill l'IDM, ça va bien se passer ou pas? Bon, on... Est-ce que t'as un truc? D'accord. Ouais, on va vérifier. Ah! Ah! Rigolo? Remarque, ça peut peut-être marcher sur un malentendu. Du coup, mais... Ouais. Non? Comment ça, les deux fenêtres sont la même taille? Ah! T'as toujours le HDMI qui prend juste les deux tiers de ton écran. Ok, et c'est un peu mieux ou pas? On peut pas
Bah, j'aimerais bien, mais ça a l'air baisé, quoi. Si tu veux. Ouais, voilà, ça change absolument rien. C'est génial, hein. C'est fou. Ok. Tu vois le haut de l'écran? Attends. Oui, là c'est normal. Et là? Enfin, tu vois un truc ou pas? Putain. Non, mais bah ouais. Mais en fait, il a quelque chose que quand je suis en 3000 par 2000, donc ça c'est bien. C'est vraiment la technologie. Hein. Genre, nique ta mère un peu quand même. Bon, attends. Je fais un dernier truc. Et après, c'est bon. Je reboot. Histoire de switcher sur i3. Et après. Voilà. Si là t'as rien, c'est normal. Ouais, ça c'est plutôt cool. Ça vaut le coup. Je suis plutôt content. Allez. Ah tiens, déjà là, j'ai un terminal qui allait pas jusqu'au bout. Ok. T'as quelque chose, d'accord. Ouais, ça c'est normal. Bah normal en fait, mais là il mirror pas si tu veux. Et là... On est bon ou pas là? Tu la vends en entier? Ouais, là les deux c'était la belle. Est-ce que tu vois Polybar en bas tout en haut? Ah bah c'est bon, on est bon. Putain, donc i3 est magique. Alors je suis désolé les potes, hein, c'est tout petit hein, mais attendez. Et du coup, attends, on va essayer de faire encore mieux. Histoire d'être sûr et que je me crame pas les yeux. Est-ce que là tu vois encore ou pas? Putain, on est sorti. Incroyable. Bah c'est fou ça. Je sais pas gros mais ça a marché. Ouais. On réessaye sur le Projo ou pas? Si oui, si réessaye sur le Projo. Si de ouf. Attendez. Je suis navré les mecs. Non mais non mais parce que je vois ça fou. Non normalement on a pas de wallpaper, on a un projet. Reload de My Farm. Ouais, dire que c'est de ma faute vraiment en fait si ça marche pas. Mon avis, j'ai l'air d'avoir quelque chose. Ouais, je l'ai mis 80p. Oula. Oui, j'ai un truc. C'est vrai. Je sais bien. Non, parce que attends, si t'as un écran, moi je me fais pas chier. Hein. Si t'as un écran, moi je vais pas m'emmerder. Non mais il est sérieux là, comment ça, mode node? Attends. J'y suis presque. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu veux de la 4K, gros? Parce que ça, je peux te fournir. Et bah voilà. Mais c'est formidable. Purée. Bon bah en fait, vous pouvez vous rasseoir les mecs, c'est génial. Oh purée. C'est fou. Oui, non, mais alors, bah, du coup, moi je. Attends, je suis pas prêt. Faut que je lance mes slides. Et de quoi? Oui, non, attends. Et là, ça marche? Ouais, je sais, attends. C'est pété. Attends, j'ai une solution.
s'appelle Evins. Et c'est à base de... Où est-ce que je suis, là? Je suis giga loin. Je vois plus rien. Bon, va là, toi. C'est pas un polybar, hein, mais... Non. Non, c'est I3 Status Rust. Et je suis où? Je suis dans... Comment elle s'appelle, cette presse? Ah oui, Emax. Excusez-moi, je m'égare. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop, ok. Oh oh. Ah ah. Oh oh. Je fais un dernier truc. Non mais c'est juste histoire qu'ils aient une fonte sur le stream, que ce soit pas dégueulasse. Et après on est bon. Promis. Genre je... promis. Comment ça, read only file? Ah oui, merde. Oh, il pète les couilles. Allez, hop. Ok. Bouge ton cul, putain. Allez. Ah non, ah non, fais pas ça, putain. Bon, bah, ils auront une grosse fonte, hein. Et tant pis. Voilà. Donc, je vais lancer Emacs. Et je vais pouvoir, genre, faire fonte size. Un truc comme ça. Est-ce que ça marcherait pas aussi? Hein? Ouais, c'est bien comme ça. Nickel. Cool. Et ben, je crois que je peux commencer. Ils m'entendent ou pas? Ouais, c'est bon, ouais. Cool. J'ai l'air d'un con avec ce truc là. Voilà. Bonsoir à tous. Voilà. Aux quelques-uns qui ont survécu jusque là. Donc moi je vais vous parler du coup de comment faire pour enfin comment obtenir le plus possible de choses, on va dire, de la part de votre OS préféré, c'est-à-dire Emacs. Je vais faire une petite introduction. Pourquoi je suis pas en present mode? Ah bah oui, c'est stupide. Hein. Voilà. Mais il est sérieux là? Mais non, mais. J'en ai trop marre. Vraiment. Feed page, s'il te plaît. Voilà, bon, ce sera good enough. Hein. Donc, un petit mot d'introduction du coup. Je voulais. D'abord, je vais commencer par parler de la fameuse guerre sainte entre Vim et Emacs. Chewie en a parlé tout à l'heure. Moi, en ce qui me concerne, elle n'a pas beaucoup de sens, cette guerre sainte. Enfin, les deux sont des super éditeurs. Et en ce qui me concerne, j'utilise les deux. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis à la base un vimeux de cœur. Et donc, j'utilise l'un comme l'autre selon mes usages. Même si pour moi, Emacs, c'est quand même maintenant, aujourd'hui, celui que j'utilise quasiment tout le temps. Donc voilà. Mais je reviendrai là-dessus plus tard. Donc, Emacs, aussi, ce qu'il faut savoir, donc, c'est un éditeur. Vous êtes tous utilisateurs d'Emacs ici ? Déjà ? Non ? Non ? Il y a des Vimeux ici ? D'accord, cool. Bon, bah, Emacs, du coup, c'est un éditeur qui n'est pas mort, parce que c'est vrai qu'il a un peu une réputation d'éditeur de vieux barbu. Enfin, Vim, il y a NeoVim, il y a tout ça. Emacs, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de trucs comme ça, a priori. Mais c'est pas un éditeur qui est mort. La version native de Emacs actuelle, c'est Emacs... La version stable d'Emacs actuellement, c'est Emacs 26. Donc, il a rajouté... énormément de trucs. J'ai pris deux exemples au pif dans le changelog. Typiquement, un support natif de l'affichage des lignes dans les buffers. Ça a l'air à rien comme ça, mais avant, on n'avait pas vraiment de moyens natifs de faire ça. Donc, c'est vrai que ça fait un peu tâche par rapport à Vim, mais bon, ici ils sont mis, mieux vaut tard que jamais. Mais surtout, on a enfin un vrai support du multithreading en Emacs Lisp, parce qu'il faut savoir que Emacs, le plus gros problème, c'est ce qu'on appelle la boucle d'événements, qui fait que si ça ne marche pas, globalement, on est bien cassé. Je vais mettre ça en plein écran. Ouais. Et donc, vous avez un Emacs qui freeze, quoi, globalement. Donc là, on a un truc qui, c'est pas parfait, mais on a un début de support du multithreading en Emacs Lisp, qui fait que globalement, on a un éditeur qui est quand même vachement plus fluide. Et donc, j'ai été regarder un peu pour les biens de cette présentation ce qu'il y aura pour Emacs 27. Et donc notamment j'ai pu voir des trucs un peu cool, genre l'usage enfin de XDG config home pour stocker votre configuration, c'est-à-dire votre config Emacs, vous allez typiquement la stocker
dans votre home dans un dossier qui s'appelle .mx.d. C'est un peu, bon, c'est un peu le bazar de tout foutre dans la home comme ça. Donc ils sont enfin décidés à mettre ça dans le dossier .config, dans un dossier qui s'appelle Emacs. Comme ça, on arrête d'en foutre un peu partout et c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, moi, le truc qui m'a choqué quand j'ai vu ce changelog, c'est qu'ils ont tout un tas d'optimisations, de prévues, de passages à des libs. Ils font des bindings C vers des bibliothèques plus récentes, etc. Enfin bref, en gros, ils essayent bien d'optimiser l'éditeur et de faire en sorte qu'il marche mieux. Et donc, c'est tout l'intérêt. C'est cool, quoi. Ça continue d'évoluer. Pourquoi j'ai une vieille barre dégueulasse en haut là ? Tu peux pas te casser ? Tu veux vraiment ? Ah bah si ! J'aurais de mieux en mieux. Cool. Donc, la raison pour laquelle j'utilise Emacs, surtout que s'il y a des VMU ici, ils doivent peut-être se poser la question. L'idée, c'est plutôt la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi avoir un outil qui fait tout comme Emacs ? Bah, c'est vrai que Vim, finalement, il respecte assez bien la philosophie Unix, même s'il le fait de moins en moins, comme a dit Joey tout à l'heure. Mais il édite du texte et il le fait bien. Emacs, il fait beaucoup de trucs. C'est-à-dire que, bon, il fait éditeur de texte, ça, oui, d'accord. Il fait débuggeur, oui. Il fait psychologue aussi. Il fait Tetris. Il fait client mail. Gestionnaire de fichiers. Enfin, il fait beaucoup de trucs. Voilà. Même des trucs dont on n'avait pas besoin. Genre MetaX Butterfly. Donc voilà. Bref. L'idée, c'est que simplement, c'est toute une question de changement de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez globalement être productif quand vous faites quelque chose, vous n'avez pas forcément envie de changer d'outil tout le temps. Vous n'avez pas envie de commencer à aller utiliser Evins d'un côté pour ouvrir vos mails. J'ai pas envie d'utiliser Thunderbird. Evins pour ouvrir vos PDF, pardon. J'ai pas envie d'utiliser Thunderbird pour lire mes mails. Enfin, j'aborde ce programme, mais de manière générale, c'est chiant. Il faut que je change de fenêtre, moi ça me crispe. J'ai pas envie d'aller ouvrir encore je ne sais quel autre newsreader pour aller lire des news. J'ai pas envie, à part quand j'ai besoin de faire une présentation, mais j'ai pas envie d'aller ouvrir des PDF ailleurs. J'ai pas envie de sortir un terme pour compiler. J'ai pas envie de m'enquiquiner à taper des commandes pour manipuler mes fichiers parce que je suis feignant. J'ai pas envie de taper des commandes git parce que j'ai la flemme. Enfin bref, vous aurez compris, je suis un énorme flemmard et Emacs, et il est génial pour ça. Mais l'idée surtout, c'est que je ne change jamais de contexte. Je reste toujours dans Emacs. Et il y a une citation de je ne sais plus qui, enfin globalement, qui dit, ou alors c'est sur un forum quelque part, qui dit « Vous pouvez tout à fait vous ramener au taf le matin, lancer Emacs et ne jamais le quitter pour le reste de la journée. » Quand je dis « jamais », c'est on en est à un point où je peux typiquement ouvrir, répondre, manipuler des pull requests ou des issues GitHub sans quitter Emacs. Voilà. Le tout grâce à... Alors ils utilisent API GitHub derrière, mais il y a des mecs qui sont kikinés à le faire. On fait la même chose, genre si vous utilisez des tools genre de gestion de projet type Jira qui est plutôt utilisé dans l'industrie, il y a des mecs qui sont enquiquinés à faire des binding org mode dont je vais parler tout à l'heure pour manipuler des tasks Jira depuis Emacs, donc sans ouvrir le site web qui est lent, etc. Donc voilà. Donc du coup, l'idée c'est de rester dans le même contexte et du coup vous avez envie d'éviter de changer de contexte autant que possible et Emacs il est très bien pour ça. Et il y a aussi surtout une autre raison, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles Emacs fait les choses mieux que les autres. Typiquement, si je reviens sur l'histoire des wrappers Git, ce qu'a montré Chewit tout à l'heure, c'est plutôt cool, mais pour moi ce n'est pas au niveau de ce qu'on va trouver du côté d'Emacs pour tout ce qui est wrapper Git. Mais c'est pas non plus au niveau, par exemple, du tool TIG, qui est un tool en command line qu'on peut lancer, qui permet de manipuler Git de manière un peu interactive. Donc, je vais pas commencer à parler de package. Moi non plus, je vais pas commencer à parler de package, parce qu'en final, Emacs, c'est quand même un truc qui, comme je l'ai dit, fait beaucoup de choses out of the box. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer que, justement, out of the box, on peut déjà en faire beaucoup. Et donc après, plus tard, je vais parler des packages. Donc les packages, c'est le nom emaxien, on va dire, pour les plugins. En tout cas, voilà. Et qui, eux, vont juste s'appuyer sur ces features de base, globalement, pour faire un truc encore mieux. Voilà. Donc je vais pas, du coup, faire de rappel sur les raccourcis clavier, ou etc. Surtout que... alors, du coup, qui utilise Emacs ici, à la base ? Ah ouais, d'accord. Ok, donc il n'y a que des VMU en fait, c'est fou. Du coup, je ne vais pas parler de raccourcis, clavier, etc. Parce que pour les VMU, comme moi d'ailleurs, on a une solution toute faite qui s'appelle Evol, dont je vais parler tout à l'heure, mais qui permet globalement d'avoir des binding VIM dans Emacs, et c'est génial.
Voilà, et pour les gens qui utilisaient Mac, je considère que de toute façon vos raccourcis, a priori, après maintenant 2 mois d'engin, vous devriez les connaître. Et au pire, vous allez voir une cheat sheet sur Google, vous aurez les raccourcis de base qui sont tous détaillés. L'idée, donc, du coup, c'est, comme j'ai dit, d'aller voir ce que Emacs peut nous offrir sans paquet. Alors, avant toute chose, déjà, je voulais faire un petit point encore. J'avais déjà fait ça au début de la piscine, mais un petit point sur la GUI, sur l'interface graphique d'Emacs. Vous avez envie de l'utiliser. Ne laissez personne vous dire que Emacs, ça doit être utilisé dans un terminal. C'est stupide. Enfin, il marche en terminal, hein, il marche même très bien, mais c'est stupide. La GUI d'Emacs, elle est extrêmement puissante. On sent que l'éditeur, il a été conçu pour fonctionner avec cette GUI, parce qu'à la base, l'idée, c'était quand même que... Enfin, c'est pour ça quand même que quand vous lancez votre truc, même en terminal, il y a une barre de menu, des boutons, etc. C'est parce que le truc, il est vraiment fait pour fonctionner en GUI. Et cette GUI, elle peut faire plein de trucs. Elle peut afficher des images. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je pouvais commencer à afficher des PDF avec. Elle peut afficher des icônes marrantes. Enfin, bref, vous pouvez du coup avoir un éditeur qui est à peu près aussi beau que n'importe quel éditeur moderne à la VS Code ou Atom ou je sais pas quoi, sauf que c'est Emacs. Et la GUI, la GUI est très bien pour ça. Donc, avant de montrer des features très utiles, je suis un peu d'accord avec ce que Chewy a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien de savoir aussi où trouver les informations. Donc, où trouver les informations? Emacs, il a un autre surnom, c'est, enfin, si on va sur le site officiel d'Emacs, c'est genre The Self-Documenting Real-Time Display Editor, un truc du genre. Bon, il y a quand même self-documenting dedans, et pour cause, la documentation dans Emacs, c'est quelque chose qui est très bien foutu. Donc, j'ai un Emacs qui est où? Ici, yes. Alors, je voulais pas quitter la slideshow, mais hop. Voilà. Donc vous vous occupez pas de cette fenêtre, on s'en fout. Première chose que je voulais montrer, alors non, je vais aller ouvrir du Emacs Lisp plutôt. Ah ouais, c'est génial ça. T'es sérieux? Config.el, on s'en fout, les repositories. Voilà. Donc ça, c'est un bout de mon fichier de config Emacs. Alors ouais, c'est du Lisp, c'est pas si terrible en fait. Hein. C'est quand on a l'habitude, et en vrai, l'idée c'est simple, hein, c'est que si y a un truc qui commence par une parenthèse, le symbole qui suit, c'est une fonction, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. Donc, si je veux avoir la description, donc logtem par exemple, qui est une fonction de base d'Emacs, je peux, il y a toute une série de fonctions, donc tout ce qui est les describe-étoile, donc il y a describe function, describe variable, describe symbol, etc., qui permettent d'avoir des informations sur le truc que vous avez sous votre curseur. Donc typiquement, je veux savoir comment sert de loadTem, ou même mieux de setQ par exemple. Je vais faire... non, c'était pas ça. Donc là, je viens de faire describe... j'ai un raccourci spécial pour ça, mais globalement, je viens de faire describe function. Donc je vais même le faire à la mano. Describe function, voilà. Et si je lance ce truc-là, donc voilà, sur setQ, ici, on peut voir, attention, hop là, on peut voir ici que j'ai, alors c'est pas une fonction très compliquée, hein, elle associe une valeur à un nom, simplement, mais globalement, ici, j'ai directement, sans aller voir un manuel quelconque ou que ce soit, enfin, s'il est là, en fait, la description de comment on se sert de cette fonction, quelle valeur on peut lui donner, etc. Et souvent, très souvent même, on a des exemples de comment on s'en sert. Des exemples concrets, et souvent, alors là c'est pas le cas, mais souvent aussi on a également le code source simplement de ce truc là qui est fourni. Donc comme ça vous pouvez littéralement essayer de comprendre comment telle ou telle fonctionnalité est implémentée. Autre truc qui est plutôt cool, vous pouvez accéder aux pages de man sans quitter Emacs. Donc ça c'est un truc, Chouki on n'a pas parlé tout à l'heure, mais c'est un truc que Vim fait aussi. Typiquement dans Vim, vous mettez votre curseur genre sur une fonction C, vous faites K majuscule et ça va vous ouvrir la page de man. De base dans Emacs, on a exactement la même chose. On a le même genre de fonctionnalité. Donc si je fais man, voilà, alors là, par défaut, il va vous proposer le symbole sur lequel vous êtes. Donc là, je suis pas sur C forcément, donc c'est un peu voilà. Mais si je fais par exemple, je vais avoir le man de printf. Voilà. Ah bah non. Qu'est-ce qui se passe? Man, printf.
Bon. Si je veux avoir le man de printf, il est là, directement dans Emacs. Ça veut dire que du coup, je peux commencer à me balader... voilà, il est bien coloré, il est bien formaté, c'est la fête. Vous pouvez même du coup, comme c'est dans Emacs, commencer à copier des bouts. Et du coup, si vous avez votre code C derrière, vous pouvez commencer a priori, ah oui non, mon buffer il est readme, vous pouvez commencer à le copier ailleurs. Voilà. Donc voilà, je vais dépop ce truc. Non, tu veux pas? Bah fous-moi le camp là. Hop, voilà. Donc voilà. Donc vous pouvez du coup lire vos pages de man depuis Emacs. Du coup, si vous utilisez EvolMod comme moi, c'est pareil, hein, le raccourci qui a majuscule, il fonctionnera dans votre code C. Je vous ferai une démonstration tout à l'heure si vous voulez. Et enfin, vous pouvez avoir le man d'Emacs, mais pas que, avec ce qu'on appelle les pages infos. Les pages infos, c'est un truc qui est un peu, qui a le mérite d'exister, et qui ressemble globalement à ça. Donc c'est un truc, à la base, c'est GNU Info. C'est comme ça un tool GNU, ils ont dit que c'est aussi GNU qui, c'est aussi la GNU qui fait Emacs, ils ont directement intégré ça dans l'éditeur. Et donc du coup dedans vous pouvez avoir du coup plein de manuels sur comment fonctionne Emacs. Par exemple vous voulez le manuel de OrgMod, vous avez tout un truc ici qui est là, et là vous pouvez avoir tout le man de Org, par exemple, directement dans Emacs, et voilà, c'est la fête. Un truc qui est cool, c'est que quand vous commencez à installer des packages Emacs, ce qui est mon cas ici, il y a certains packages qui eux aussi du coup peuvent intégrer leur page directement au milieu de info. Et info, c'est un truc que je vous invite aussi à visiter, tout simplement parce qu'en fait il y a la doc sur à peu près tous les tools de la Terre. C'est-à-dire que là j'ai Git, j'ai Bash au-dessus, j'ai toutes les commandes, donc sed, etc. Avec parfois des exemples, ce ne sont pas les mêmes informations qu'il y a dans la page de man. C'est pas les mêmes infos. C'est plus écrit en mode tutorial slash présentation des outils, plus que juste un bête manuel qui dit ça, ça fait ça, ça, ça fait ça. Voilà. Donc ça, c'est pour info. Ok, donc je vais faire un petit point de terminologie aussi pour être sûr qu'on parle de la même chose. Donc un buffer, c'est exactement la même chose que ce que Chewy a dit pour Vim. Un buffer, c'est tout simplement, j'ai pas régénéré mon PDF. C'est dommage, hein. Bon, c'est pas grave. C'est pas une vue sur un fichier, c'est la représentation, on va dire, pour l'éditeur du fichier en question. Ensuite, du coup, vous avez des windows, comme sur Vim, qui sont du coup la vue sur un buffer. Et vous avez donc une frame. La frame, ça va être la vraie fenêtre. Donc là, en l'occurrence, si je retourne sur mon Emacs, la frame, c'est cette fenêtre ici qu'on voit qui affiche mon truc. Et là, j'ai une window dessus, mais si je veux, je peux en avoir plusieurs. Et commencer à éditer plusieurs fichiers en même temps. Donc voilà. Ensuite, et là, c'est là où on commence vraiment à différer de Vim. On a. Alors, Vim, ils disent qu'ils ont 6 modes, je sais plus, 6 modes mineurs, 6 modes majeurs, un truc du genre, bref. Nous, ce qu'on appelle des modes, c'est pas tout à fait la même chose. Nous, on a globalement, à chaque fois, à un instant T, on a toujours un major mode qui est activé. Donc ça, ça va être le mode du buffer. Donc c'est associé à un buffer. Et c'est en général le langage qu'on édite. C'est-à-dire quand je fais du C, ça va être le C mode. Si je fais du C++, ça va être C mode. Si je fais du Java, c'est Java mode, etc. etc. Donc voilà. Et donc vous pouvez commencer après à associer certaines choses à ce mode. C'est-à-dire faire en sorte que Emacs charge des trucs quand on charge ce mode. C'est-à-dire si on arrive à un buffer, activer certains packages ou exécuter des fonctions ou alors mettre en place des hooks. Typiquement, alors des hooks, il y a plein de hooks qui sont définis dans Emacs. Par exemple, on pourrait faire en sorte que quand on est sur un langage de quand on fait un langage de programmation, on peut tout à fait imaginer avoir un hook qui, quand on sauvegarde, va directement supprimer les training white space. Voilà. Si les training white space, c'est un truc qui vous effraie et que vous faites éclater par la coding style à chaque fois parce que vous en laissez, dans Emacs, vous faites meta x delete training white space. Voilà. Et là, ça va supprimer tous les training white space de votre fichier, globalement. Donc voilà, un exemple, s'il y a un truc à retenir, que vous pouvez retenir, c'est déjà ça. Et donc ensuite, on a les modes mineurs. Donc les modes mineurs, ils sont complètement indépendants du major mode, et en fait, c'est plus un ensemble de fonctionnalités qui va être activé à un instant T. Donc du coup, on peut en avoir plusieurs en même temps. Et donc par exemple, ça va être des trucs type fly spell pour faire du syntax checking, font lock c'est le truc qui fait la coloration syntaxique, linum c'est un truc qui va faire les numéros de ligne sur le côté, autofill ça c'est pour wrapper tout seul à 80 colonnes, autosave je pense que j'ai pas besoin de le décrire, etc.
Donc les modes mineurs, c'est des trucs que vous pouvez rajouter. Et en général, en fait, la majorité des paquets, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils rajoutent des modes mineurs et que vous vous contentez de les activer pour avoir. Typiquement, Ivy, si vous faites vous un Meta X sur un Emax de base, ça ressemble pas vraiment à ça. Et pour le cause, je remplace mon Meta X avec un truc qui s'appelle Ivy, dont je parlais tout à l'heure. Mais globalement, je sais plus ce que je voulais dire. Globalement, oui, si, Ivy, c'est un mode mineur qui est activé et qui donc en fait va override Meta X tout simplement. Donc voilà. Emacs aussi, ce qui est vachement bien, c'est qu'il est sur une architecture, enfin il est conçu, il est construit avec une architecture client-server. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez lancer Emacs en tant que daemon. Donc vous pouvez faire un Emacs en moins daemon et dans ce cas-là, votre Emacs va commencer à tourner en arrière-plan. Et donc derrière, vous faites des Emacs client, vous utilisez la commande Emacs client pour attacher des clients à ce serveur. Ça, c'est un intérêt génial. C'est que déjà, vous pouvez du coup avoir plusieurs fenêtres d'Emacs qui vont partager les mêmes buffers. Ça fait aussi que du coup, comme ils tournent en arrière-plan, si vous êtes sur une machine qui ne s'arrête jamais, vous pouvez commencer à du coup faire popper des instances d'Emacs qui vont être chargées instantanément. Parce que entre un Emacs et un Emacs configuré de manière un peu lourde, il va quand même prendre, s'il est bien confé, moins de 2 secondes, mais quand même au moins plus d'une seconde à se lancer. Peut-être un peu moins si vraiment il est bien confé, mais voilà, alors que le client il fait 40k, il se lance, il s'attache, c'est fini, et vous pouvez utiliser vos trucs, récupérer vos buffers, etc. etc. Et c'est plutôt stable, enfin perso j'ai déjà eu un client avec un uptime de 27 jours je crois. Donc ça marche bien. Et donc si vous closez toutes les frames, donc les fenêtres d'Emacs ou les trucs en terminaux, etc. ce sera, les buffers sont toujours ouverts, vous pourrez récupérer, continuer votre édition comme là où vous en étiez quoi. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, il y a plein de features out of the box, mais le truc, c'est que c'est difficile de savoir qu'est-ce qu'il y a. Alors, c'est vrai que je vous ai donné des trucs avec les pages info, etc., mais finalement, ça va pas forcément vous aider. Et c'est là que je parle d'un truc type Ivy, c'est-à-dire que Ivy, donc c'est le truc qui, comme globalement, si je retourne sur mon Emacs, c'est le truc qui fait que là, voilà, j'ai un MetaX qui ressemble vachement pas à celui auquel vous pourriez avoir l'habitude, mais où globalement, je peux commencer à taper des commandes, genre, je sais pas, j'ai envie de initialiser Git sur un projet, voilà. Donc j'ai juste tapé, là je tapais ma Git parce que c'est l'habitude, mais j'aurais pu taper Git init, et globalement, il a fait du fuzzy matching sur à peu près tous les trucs qui ont l'air de ressembler à ce que je veux faire. Et surtout, ça a un énorme avantage, c'est que non seulement il vous fait du fuzzy matching, donc si vous avez une vague idée de ce que vous voulez faire, vous pouvez essayer de taper une commande et vous allez tomber sur un truc magique qui fait exactement ce que vous voulez, ça arrive. S'il y a un raccourci clavier qui est associé, il va être affiché là, et accessoirement, vous avez la description ici de la fonction en question qui est affichée, donc comme ça, vous avez a priori une petite idée quand même de est-ce que c'est bon ou pas. Et donc après, vous pouvez naviguer à travers vos résultats et les faire. Donc voilà. Donc je vous conseille fortement d'installer ça, il y en a plein, il y a genre Helm, Ivy, Ido. Moi j'utilise Ivy, il est relativement léger, rapide et il fait pas moins de choses que Helm finalement, donc ça marche plutôt bien. Ok, bon, donc maintenant c'est là qu'on va commencer à rentrer un peu dans les trucs un peu rigolos. Typiquement, on a nous aussi un équivalent de la Quick Fixes de Vim. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait compiler depuis notre éditeur. Donc on ne va pas lancer un terminal. Je ne vais pas lancer vraiment de terminal en fait pendant toute cette présentation. Je ne vais pas lancer un terminal. Je ne vais pas faire de CTRL-Z pour compiler mon projet. Nous, on a une commande qui est MetaXCompile qui permet exactement de faire ça et qui va parser les erreurs de compilation pour que vous puissiez sauter dessus. Donc typiquement, prenons un bout de C. Je vais l'appeler Toto. C, voilà. Voilà, toi tu te barres, et donc je vais faire un main, voilà, on s'en fout, hop, et voilà. Donc là j'ai un main.c qui ne fait absolument rien, et donc si je fais mon MetaX compile, voilà, donc là il me propose la commande à taper, donc par défaut, vous voyez là ou pas? Ouais. Donc là par défaut il me propose make-k, ce qui a du sens quoi, on make et on moins k, c'est keep going, si vous savez pas, ça permet de, s'il a une erreur, il continue quand même de compiler. Comme ça, votre compilation, elle avance quand même. Donc, make-k, là, en l'occurrence, j'ai pas de makefile, donc je vais faire directement le nom du binaire. Et là, j'ai compilé mon truc Toto. Cool.
Donc c'est plutôt pratique. Maintenant, mettons, je commence à faire un petit peu un Makefile. On va faire... Ouais, casse-toi. On va mettre un cflags, on va mettre wall, w-error, et... Ouais, puis la flemme, hop. Ouais, casse-toi, hop. Voilà, et maintenant je vais commencer à... On va le faire péter, on va juste appeler printf. Voilà, ce qui normalement avec w-error et w-all. Voilà, fait que ça casse. Donc là, ce qui se passe, c'est comme il a échoué, donc c'est exactement la même fenêtre de compilation de tout à l'heure, sauf que ben, là, on a toutes nos erreurs de compilation qui sont highlight et qui sont parsées. C'est-à-dire que typiquement, là, j'avais envie de sauter sur cette erreur-là, alors j'ai fait qu'une seule erreur, mais globalement, si j'appuie sur Tab, oui, bah c'est la dernière erreur. Bon, c'était pas le meilleur exemple, mais globalement, là je suis sur une erreur, j'appuie sur Entrée et il jump dessus. Bon, le truc qui affiche la tooltip pour dire ça, c'est un autre play, c'est un package pour le coup. Donc ça, c'est voilà. Mais vous avez comme ça votre liste d'erreurs en bas dans votre éditeur et vous avez juste à faire Tab, à revenir sur cette fenêtre, à faire Tab et boum, vous sautez d'erreur en erreur comme ça. À chaque fois, vous appuyez sur Entrée, vous sautez à chaque erreur et vous pouvez après les corriger, etc. Donc pas besoin de sortir le terme, de se demander attends c'était à quelle ligne, c'était quelle erreur, etc. On a ça, et ça c'est out of the box également. Donc voilà. Alors, gros défaut de Metallic Compile, mais évidemment je vais vous montrer une alternative qui a le mérite de corriger ce défaut. Il va se lancer dans le dossier dans lequel est le. Enfin dans le dossier de votre buffer actif. Donc là typiquement je suis dans /tmp toto.c, il va lancer ça dans /tmp, donc ça va que j'ai mon makefile dedans, mais si j'étais dans un projet avec un dossier src dedans, il le lancerait dans src. C'est un peu chiant, mais on a une solution pour ça, évidemment. Ensuite, trouver des références dans un projet, ça c'est un autre truc qu'on aime bien faire. Donc comme l'a dit Chewy tout à l'heure, on peut tout à fait créer une table de tags avec C-tags ou E-tags. En vrai c'est C-tags, mais en fait C-tags c'est E-tags. C'est un peu compliqué, en fait E-tags c'est exuberant C-tags, c'est des tags plus, et en fait le plus c'est tout simplement des informations en plus que Emacs c'est parsé et Vim non. Voilà. Et globalement, en fait, si e-tags aujourd'hui s'appelle c-tags et globalement, il tourne par défaut en mode de compatibilité pour que ça marche avec Vim. Quoi. Donc voilà. Donc l'idée, c'est que vous créez donc une table de tags avec e-tags. Vous bougez votre curseur sur un nom de symbole quelconque et vous pouvez utiliser une fonction qui s'appelle xref. Donc en fait, il y a plein de fonctions xref, donc crossref globalement. Find definitions ou alors ça peut être find references, etc. pour sauter sur la définition de votre truc. Donc là, j'ai mis le raccourci Emacs, parce que bon, pour le coup, il est relativement simple, c'est meta point, et vous avez meta virgule pour revenir là où vous étiez avant de sauter. Voilà. C'est globalement l'équivalent du GD dans Vim, quand vous êtes sur un symbole, et du CTRL O pour revenir en arrière. Voilà. Donc, à quoi ça ressemble dans les faits voilà. Alors, je voulais un projet type Emacs 42. Ça, non, on va pas lancer celui-là, on va reprendre ça plutôt. Donc, un projet un peu plus poilu. Interface.cc. Ouais, voilà. Donc, par exemple, ici j'ai paquet buff free. Donc, j'ai déjà généré les tags hein, pour ce projet. Mais ici, par exemple, j'ai la fonction paquet buff free. J'ai envie d'aller à sa définition. Je peux faire un appel à crossref, ouais, jump to definition, boom, et là je suis dessus. Voilà. Et donc après, je peux faire popper mon truc pour revenir là où j'étais avant. Voilà. Donc ça, c'est crossref. Et évidemment, il y a aussi une version avec pour avoir toutes les références à symboles, c'est-à-dire là où il est utilisé. Donc à noter que là, la façon dont ça va être affiché, ça va être un peu plus fancy que comment ça devrait l'être dans un Emacs de base, mais la fonctionnalité reste la même, c'est juste mon éditeur qu'on fait et qui est un peu plus joli. Mais globalement, c'est l'idée que ça reste la même, c'est que voilà, là ici, j'ai 8 références dans mon projet de ce truc-là, et donc du coup, je peux commencer à me balader, à voir que bah, ici, j'ai une référence, etc. Il m'affiche, en plus c'est joli, il m'affiche exactement l'endroit dans le code où je suis, et donc si j'ai envie de sauter à cette référence-là, bam, c'est là. Voilà. Donc voilà. Des questions là-dessus, non ? Ensuite,
Faire du debugging. On peut, donc de base dans Emacs, il y a MetaXGDB qui existe, ça fait longtemps qu'il existe pour le coup. Par défaut, va vous lancer un prompt GDB avec, comme vous le connaissez, sauf qu'en fait à côté il va y avoir votre fichier source qui va changer, qui va s'adapter et se mettre directement, la ligne active va être celle où est GDB. Donc globalement c'est assez, c'est déjà pas mal, mais il y a une autre feature qui est un peu moins connue qui est GDB Mini Window, qui est un mode qu'on peut activer, qui va faire que quand on appelle MetaXGDB, là il va se mettre vraiment en mode débugger énervé. Mais une démo fera évidemment plus de sens. Alors est-ce que mon projet a compilé? Il est compilé, c'est parfait. Donc, non, c'était pas ça que je voulais faire. Je voulais faire donc. Ah. Regarde ton clavier. Voilà. Mini. J'ai pas Mini Window? Bizarre. Bon, c'est pas grave. Build. Je suis où? Ah non, je suis loin. Ah oui. Attendez, je suis désolé. J'étais. Non. Là. Voilà. Et je voulais GDB. Voilà. Donc GDB Mini Window. Donc là, j'ai activé. Et donc, je peux faire MetaXGDB. Point, point, slash, build. De mémoire, il était dans. XI. Ouais. Voilà. Et donc, ça, c'est un truc qui ressemble à peu près à ça. Où globalement vous avez plein de fenêtres partout, donc on va le start par exemple, voilà, et on va ah mais non, mais il va échouer vite en plus lui. Bon, c'était peut-être pas le meilleur exemple, bref, ouais, c'est pas le meilleur exemple, c'est dommage, bon tant pis. Ah mais si, attendez, j'ai un projet où je peux vous montrer ça mieux, ça fait très préparé hein. C'était là-dedans. Là-dedans, voilà. Donc où je vais refaire mon GDB. Si en plus c'est ça, sauf que là c'est ça. Voilà. Ou du coup, donc j'ai un bête programme. J'ai une liste qui est implémentée. Enfin non, elle n'est pas implémentée. Il y a juste un list init qui fait un malloc. Donc là globalement, bah je peux faire mon GDB classique. Donc voilà. On peut voir que, alors je sais pas. Ouais, le contraste du vidéo proche, je vous le montre pas des masses, mais la ligne active, c'est là où il en est, avec un petit marqueur ici. Globalement, et donc on a plein de fenêtres qui s'affichent. Donc par exemple, j'ai ma stack frame en bas, donc qui permet de savoir où j'en suis, la liste d'appels, enfin oui, de la backtrace quoi, de mes appels. J'ai une liste de breakpoint en bas à droite, donc là j'en ai pas, mais si je fais un break list init, voilà, on peut voir ici que j'ai rajouté mon breakpoint et qui s'affiche ici, c'est la fête. Input output, bah c'est simplement tout vos, si votre programme il print des trucs, tout ça va s'afficher là, donc ça évite d'avoir vos inputs, enfin votre output qui commence à s'afficher au milieu de votre command line GDB, et ça fout le zbeul dans votre terminal. Et vous avez une liste de toutes vos, par exemple vos variables locales. Donc là on peut voir que j'ai une liste new qui est non initialisée, qui vaut null, et donc c'est écrit en haut, je suis désolé pour le contraste, mais globalement c'est écrit struct list étoile new 0x0 quoi. Donc j'ai sa variable qui est là, j'ai même pas eu besoin de faire un display, de l'afficher ou quoi que ce soit, c'est out of the box comme ça. Si vous êtes un peu plus intense et que vous voulez voir les registres de votre CPU, ils sont tous là, et donc ouais, allez voir les registres de votre CPU si ça vous chante. Et donc après bah je peux commencer à le classique, on va single step, ah non je suis pas dans la bonne fenêtre, hop voilà. Et donc là voilà, on peut voir par exemple ma call stack qui a un peu bougé, j'ai d'autres types de variables qui sont là avec ouais, qui sont, voilà, j'ai d'autres types de variables, donc voilà, donc c'est super cool pour débugger, c'est vachement visuel, et puis en plus quand vous avez trouvé votre bug, ben vous pouvez commencer à éditer votre truc juste ici, voilà, vous avez envie de changer votre malloc, de le casser, vous pouvez quoi, voilà. Donc là je vais pas le casser, donc voilà, donc c'est plutôt plaisant. Et après il y a plein d'autres packages qui refont un peu MetaXGDB. Moi je les trouve pas qu'ils sont mieux que l'implémentation de base, donc j'utilise MetaXGDB comme il est, je le trouve très très bien. Ensuite, file management. Il y a un file manager qui vient avec Emacs, qui s'appelle Diurn, que j'ai commencé à utiliser donc assez récemment et qui est excellent. Parce qu'en fait globalement à peu près toutes les opérations que vous voulez faire sur un fichier, vous pouvez à peu près les effectuer sans faire une seule ligne de shell. Donc typiquement, voilà, si je retourne encore une fois là-dessus, que je fais popper Diurn, là il me demande où je veux le faire, je vais le faire dans dans slash tmp, voilà.
Donc là, ouais, casse-toi. Voilà. Donc là, j'ai mon slash TMB qui est magnifique, c'est le bordel dedans. On va aller dans. On va créer un dossier qui s'appelle Toto. Ah bah non, ici. Toto, il existe déjà, ça, c'est dommage. Non, on va aller là, et je vais appuyer sur D. Et donc là, je l'ai marqué pour la suppression. Donc voilà. Donc là, je peux commencer, voilà, je vais virer Toto.c aussi, voilà. Et maintenant que j'ai marqué tous les fichiers que je veux supprimer, je vais appuyer sur X. Là, il me demande, est-ce que tu veux supprimer ces deux trucs ? Oui. Donc là, je viens de supprimer mes trucs. Donc maintenant, je peux faire mon dossier Toto, donc j'appuie sur plus, c'est le raccourci. Là, j'ai un dossier Toto, je rentre dedans, et là-dedans, je peux commencer à faire... Alors, attendez, on va touch des trucs. Donc on va touch... Alors si vous faites meta point d'exclamation, ça vous permet de lancer des shell commands. Donc je peux faire file 1, 2, 3... Voilà. Et donc là voilà, et donc après je peux commencer à faire des trucs un peu marrants. Donc je peux commencer à les marquer avec M si j'ai envie de les je sais pas de les compresser, et ben je peux. Alors je peux faire toto.tar.gz. C'est la première fois que je me sers de cette feature. Et ben n'empêche qu'il l'a fait. Et donc là j'ai une archive compressée avec mes deux fichiers normalement dedans. Voilà. Juste là, et je peux rentrer dedans tout seul, il sait gérer des fichiers compressés, et donc voilà. Vous pouvez à peu près faire tout avec ça, c'est-à-dire que si vous avez envie de de changer le mode, les permissions, vous pouvez, si vous voulez les bouger, vous pouvez, si vous voulez les changer l'owner, changer le groupe du fichier, vous pouvez. Ça fait vraiment énormément de trucs. Je n'ai pas la prétention de connaître toutes les fonctionnalités de Dayard, mais globalement, depuis que j'utilise ce truc-là, je suis très fan. J'ai découvert ça beaucoup trop tard. Donc voilà. Donc, si le shell, comme moi, au bout d'un moment, ça va bien 5 minutes, où vous avez des alias partout, ça c'est pas mal. Vous pouvez aussi faire des trucs où, genre, vous pouvez filtrer l'output, définir des filtres même pour filtrer l'output de ce que d'ailleurs vous affichez. Vous pouvez commencer à switcher et changer de filtre pour afficher tel ou tel truc, genre, où j'avais pas envie d'avoir les fichiers cachés, bah, vous les virez, et voilà. Donc voilà. Ensuite, on a tout un truc de session management qui vient dans Emacs. Donc session management, l'idée c'est que probablement ça peut vous arriver de bosser pendant quelques heures. Et donc vous avez ouvert plein de buffers, vous avez fait plein de frames, vous avez organisé des windows dedans avec un layout bien particulier. Et oui, ça vous a pris du temps et puis votre layout il était bien quand même. Donc vous avez envie de le récupérer à un moment. Vous pouvez tout simplement sauvegarder votre session et donc votre layout avec MetaX Desktop Save. Ou donc là en fait, donc là je vais pas vous faire une démo parce que ça impliquerait de relancer Emacs, un peu la flemme. Mais globalement, ça impliquerait, enfin ce qu'il va faire là, c'est qu'il va sauvegarder toute votre liste de frames, de buffers, votre layout, etc. dans un fichier. Donc par défaut, ça va être dans votre .emacs.d. Mais globalement, ce qui va se passer, enfin, ouais, il va sauvegarder tout ça là-dedans et après. Quand vous relancez Emacs le lendemain ou une semaine plus tard, peu importe, vous faites un desktop read, vous dites bah, va me loader le fichier de desktop qui est là-bas, et là, dans ce cas-là, c'est la fête, il reload tous vos buffers, limite là où vous étiez, là où il y avait vos curseurs, il reload tout. Voilà. Et là où ça devient encore mieux, c'est que vous pouvez littéralement avoir un desktop par fichier. Donc ce que ça veut dire, c'est que globalement, vous pouvez avoir un ensemble de layouts, de buffers, etc. pour Emacs par projet, par exemple. Voilà. C'est pas une fonctionnalité que moi personnellement j'utilise, mais elle mérite d'exister et elle est très efficace. Ensuite, Emacs, il vient avec un tool qui s'appelle Gnus. Alors là, on part un peu sur des trucs un peu moins utiles, on va dire, mais moi personnellement je m'en sers. Vous avez envie d'avoir un newsreader pour lire les news et que vous trouvez que Thunderbird c'est nul, et ben vous avez Gnus. Donc Gnus, à quoi ça ressemble ? Bah, c'est un truc qui ressemble à ça, hein, globalement, où voilà. Là j'ai toutes les news que j'ai loupées, donc voilà, si j'ai envie de lire les news de l'assistant PMPC, je peux aller là-dedans et commencer à ouvrir des trucs. Et du coup je peux aussi commencer à répondre depuis Emacs. Ah bah non, là ça a cassé, ah, c'est dommage. Ah je suis giga déçu. Des fois il est dur de la feuille, hein, mais tu vas... Voilà. Et donc là, je peux commencer à écrire un mail ou une news depuis Emacs. Il prend ma signature, hein, tout seul, hein, il est grand. Et après, commencer à l'envoyer. Globalement, là, j'écris mon truc, je fais CTRL-C, CTRL-C, et il envoie le truc. Et il sait tout seul qu'il faut frapper à 72 colonnes parce que la netiquette, il la connaît out of the box. Donc ça, c'est plutôt pratique. Voilà. En vrai, c'est pas la feature, c'est pas la
plus grosse killer feature des mecs clairement, mais moi c'est un truc dont je me sers. Je me sers aussi un autre truc pour lire des mails. Croyez-moi, c'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, là c'est un gros morceau, c'est l'une des principales raisons pour laquelle j'utilise Emacs, c'est Org Mode. Org Mode, c'est un truc qui permet de créer des documents, par exemple ces slides, et de les exporter par exemple dans plein de formats différents. Globalement, vous voyez Pandoc, un truc où vous prenez un fichier Markdown et vous le convertissez, voilà. Bah, globalement, vous prenez le Markdown, vous prenez le Markdown, vous le jetez, vous utilisez un langage qui est mieux foutu, qui permet de faire plus de trucs, qui s'appelle OrgMod, et vous virez toute la partie Pandoc avec les 240 dépendances à scale ou je sais pas quoi. Et globalement, Emacs tout seul, il est capable d'appeler LaTeX comme un grand et de vous générer des slides comme ça. Vous voulez un exemple? Justement, je vais vous filer, je vais vous montrer le fichier org qui a servi à générer ces slides. C'est celui-là. Alors en plus de ça, il affiche là de manière giga clean avec globalement tous les headings, etc. La configuration de LaTeX et du thème des slides, c'est les trois lignes là. Et il n'y a rien dans ma config Emacs qui touche à Beamer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est out of the box. Enfin, c'est out of the box dans Org Mode, quoi. Mais Org Mode est fourni avec Emacs. Et donc là, vous pouvez commencer à avoir toutes vos slides qui sont là. Et si je veux les exporter, je peux les exporter dans plein de formats différents. C'est-à-dire que si j'ai envie d'en avoir un Markdown, je peux l'exporter en Markdown. Si j'ai envie d'en faire une page web, je peux l'exporter en HTML. Évidemment, là, j'en ai fait des slides LaTeX, mais je peux aussi en faire un fichier LaTeX standard. Je peux l'exporter en plain text, je peux même en faire des ODT, donc des open documents, donc les trucs de LibreOffice, quoi. Ou du Reveal.js, si vous avez envie de faire une présentation un peu tuning, par exemple. Donc voilà, ça, c'est une fonctionnalité d'Org Mode. Ça peut aussi vous servir d'agenda. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez tous ces trucs-là. Si je fais un toto.org, voilà, alors bon, je peux lui donner un titre, mais ça on s'en fout. Je peux commencer donc à faire un heading. Dans Markdown c'est des dièses, là c'est juste des étoiles. Voilà, je peux faire des headings comme ça, et je peux commencer à faire promener le chien. Et donc là, à partir de là, vous pouvez commencer après, par exemple, à associer une date à ce truc-là. Donc si j'ai envie de dire que moi j'ai envie de le faire le 31, c'est schedulé le 31. Et donc là, c'est pas dans mon dossier org, donc il va pas le trouver si je le fais là tout de suite. Mais globalement, si vous avez un dossier org que vous définissez dans votre config Emacs, vous pouvez après appeler une commande qui s'appelle org agenda, où il va prendre tous vos trucs là et vous afficher un agenda de toutes les tâches que vous avez prévu de faire. Bon, là, j'ai fait un schedule, mais ça peut aussi être une deadline. Donc si vous avez un truc à faire avant telle date, vous pouvez avoir ça. Et pareil, afficher ça et avoir une vision complète de vos deadlines. Tout ça, ça peut aussi être des to-do list. Donc là, par exemple, voilà, j'ai une to-do list, machin. Et donc si après, quand je l'ai fini, je l'ai là. Et en plus de ça, on remarquera qu'il va rajouter tout seul le t'as fini ça à telle date. Là où ça devient puissant, c'est que vous pouvez aussi commencer à balancer des horloges ou des chronomètres avec ça. C'est-à-dire que moi, je me suis servi de ça pendant mon dernier stage. J'étais capable de dire non seulement tout ce que j'ai fait, mais à la minute près, combien de temps j'ai passé sur chacune de mes tâches. Et ça m'a fait gagner un temps de niveau de productivité assez énorme. Vous pouvez faire du literate programming, c'est-à-dire que vous pouvez faire évidemment des source blocs, des blocs de code source dans Org Mode, et vous pouvez après lui dire interprète-moi ça. Si c'est du Python, littéralement vous pouvez lui dire quand tu exportes ça, vers du HTML, du LaTeX, etc., d'interpréter ce bout de code-là avec Python et d'insérer le résultat dans le document final. Mais pas dans le fichier org, attention. Mais dans le document final, il y aura le résultat que vous voudrez. J'ai aussi une config sur mon GitHub, qui est une config Emacs, qui est entièrement écrite en org mode. C'est que des blocs de code Emacs Lisp, et je lui dis littéralement mon init.el, qui est le fichier d'init d'Emacs, il y a une ligne qui dit tu prends ce fichier org-là, tu prends tous les bouts d'Emacs Lisp, tu les mets dans un fichier du même nom, mais en .el, quoi, et tu loads. Et ça fait une config Emacs, sauf que en fait, c'est en org mode, donc tout est décrit, tout est bien, c'est compartimenté, c'est giga propre. Voilà. Ça peut faire tableur. C'est-à-dire que si vous avez déjà eu du mal à insérer, à créer des tableaux dans des fichiers, à les garder à la bonne taille, etc., je peux faire un table insert. Donc là, je peux lui dire, trois colonnes, trois lignes, on s'en fout, tu me poses trop de questions. Voilà, hop. Voilà, et donc là, j'ai un tableau, donc je peux faire des trucs dans mon tableau, et... Ah, il est sérieux, là ?
Mais va te faire foutre. Ouais, je m'en fous. Attends, qu'est-ce que tu me fais? T'es mignon. Comment ça, table.ml? Mais va te faire. Ah bah non. Table. Insert. Ouais, non. T'es mignon. Non, tu veux pas. T'es chiant. Ah bah non. Attends. Table create. Ah bah voilà. Ouais, 5 x 2. Vas-y, hop. Et donc, Toto. Voilà. Tata, là, hop, voilà. Et il resize tout seul. Et c'est la fête. Mais en fait, ça, bon, moi, je sais pas m'en servir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en fait, ça, c'est un peu. Enfin, vous pouvez globalement vous en servir comme d'une spreadsheet. Et donc faire des trucs de tableur avec ça. Voilà. Vous pouvez vous servir de org mode comme d'un tableur. Et ça fait beaucoup trop. Beaucoup trop de trucs. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Non. Est-ce qu'on passe aux parties marrantes avec les packages? Ok. Donc là, je vous ai montré du coup, plein de features out of the box. Ce qui est bien, c'est que du coup, Emacs, il y a une communauté qui est assez énorme qui fait plein de packages pour étendre les fonctionnalités d'Emacs. La majorité de ces packages, au final, on ne le voit pas forcément derrière, mais vont se baser sur les fonctionnalités de base comme celles que je vous ai montrées. Donc par exemple, EvolMod qui émule Vim pour tout ce qui va être substitution ou aller chercher les références à un symbole, etc. En fait, derrière, il ne va pas s'enquiquiner, il va aller tout seul utiliser, enfin tout seul, non, c'est pas ce qu'on lui a dit, mais il va aller utiliser les trucs des masques qui existent déjà pour le faire. Et alors ça, après, c'est mon avis perso, mais personnellement, je trouve que les packages Emacs sont mieux faits, on va dire, que ceux de Vim. Il y a eu plus d'amour dessus, on va dire. Après, ce n'est que mon avis perso, même si les plugins de Vim de type Hope sont pas mal, mais bon, bref. Donc, comment on installe un package? On peut faire comme dans Vim, le décrire dans la configuration, etc. Mais Emacs vient avec un package manager. Alors moi je m'en sers pas parce que justement je préfère l'écrire dans la configuration, mais globalement vous pouvez faire un MetaX package install, et donc là il va aller tout seul choper sur la liste de dépôts de paquets. Donc par défaut il n'y a que Elpa qui est le dépôt GNU, mais il va aller tout seul chercher dans la liste une liste de paquets sur ces dépôts là, et après vous pouvez chercher des paquets, faire entrer dessus, dire bah vas-y installe-le, et il va installer le paquet dans Emacs. Après vous n'avez plus qu'à modifier potentiellement votre config pour dire bah utilise-le ou charge ce paquet. Mais il y a ça out of the box dans Emacs. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un truc comme UsePackage. UsePackage, c'est lui-même un paquet, donc lui, pour le coup, faut l'installer un peu plus de manière manuelle, mais ça peut se régler en quelques lignes de Lisp. Et derrière, vous faites UsePackage mon paquet, et tout seul, il va aller choper sur les repos le paquet, l'installer s'il n'y est pas, vous pouvez lui dire de le compiler, vous pouvez commencer après à associer des keybindings, de la config, quand est-ce qu'il faut initialiser ce paquet, etc. Donc c'est super puissant, et donc du coup il y a encore un truc encore mieux qui s'appelle Straight, qui globalement est un wrapper sur UsePackage et qui est a priori purement fonctionnel. Donc en gros il est capable tout seul d'aller choper les dépendances d'un paquet s'il y en a besoin, il va tout installer, enfin il wrap UsePackage et il permet de faire des trucs encore plus sexy, donc c'est plutôt pas mal. Ou alors vous pouvez choisir d'utiliser un framework de configuration. Donc ça, c'est les frameworks de configuration, c'est un truc qui est un peu controversé dans la communauté Emacs, mais qui sont très populaires. Donc il y en a plusieurs. Le plus connu, c'est SpaceMax, et il y a Doom Emacs, comme je vais spoiler, c'est ce que j'utilise, et Centaur Emacs, qui est un peu comme Doom, mais pour les gens qui n'aiment pas Vim. Et globalement, en fait, l'idée, c'est que c'est un peu des configs préfaites. Mais pas vraiment. Enfin, il y a beaucoup de config qui est préfaite, on va dire. Mais derrière, vous pouvez choisir de pas forcément les utiliser et juste utiliser genre toutes les fonctions utilitaires, etc. qu'ils ont fait pour configurer Emacs vous-même. L'intérêt d'utiliser ça et pourquoi moi j'utilise ça personnellement, c'est qu'en fait Emacs, enfin le configurer, ça peut être un travail à temps plein. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps et pendant un an, je me suis enquiquiné à maintenir une config, etc.
Il se trouve qu'il y a pas mal de gens dans le monde qui ont les mêmes problèmes que moi et qui ont déjà des solutions et qui se mettent à plusieurs pour les régler. Donc plutôt que de réinventer la roue, moi personnellement ça ne me dérange pas d'aller utiliser un truc comme ça. Mais encore une fois, c'est très controversé. Il y a les puristes qui disent qu'il faut pas, faut faire sa config, etc. Moi je vous dirais plutôt utilisez pas Space Max parce qu'ils s'y mettent à 2000 dessus et que c'est pas forcément très propre, c'est pas toujours très stable, c'est pas du beau lisp. Puis il est un peu lent. Ouais, ça c'est un autre problème des frameworks de configuration, et plus particulièrement c'est un problème que j'ai eu beaucoup avec Space Max. Vous activez plein de features, c'est cool, vous avez l'autocomplétion, etc. Sauf que votre Emacs devient lent. Et donc au final, ça c'est plus une purge de l'utiliser que le bénéfice réel que vous en avez. D'où mes Macs étant plus propres, j'ai pas eu autant, enfin j'ai clairement pas le même problème avec, quoi, ça marche vachement mieux. Donc c'est celui, voilà, c'est celui que j'utilise. Parce que encore une fois, j'ai passé beaucoup trop de temps à configurer Emacs. Le code de Doom, c'est un truc qui est super propre. Encore une fois, avec une communauté géniale. Quand je dis une communauté géniale, c'est typiquement, je me suis pointé un jour avec une question débile sur les issues GitHub, et le mainteneur du projet m'a littéralement expliqué comment fonctionnait le Emacs Lisp en réponse à mon issue, plutôt que de me dire RTFM ou dans, ou voilà. Donc c'est plutôt cool et c'est quelque chose de plutôt rare. C'est pas tous les projets où il y a ça. Par contre, le seul problème, c'est que c'est un truc qui demande un peu, surtout une grosse connaissance d'Emacs et un peu une connaissance du Emacs Lisp pour pouvoir l'utiliser. Donc moi, je recommanderais de commencer à faire un peu votre propre configuration parce que c'est bien de savoir le faire. Vous pouvez pas toujours utiliser Doom ou des trucs ou Space Max, etc. parce que ils ont également des dépendances à installer. Et typiquement, quand vous êtes sur le PIE, certaines de ces dépendances, vous pouvez juste pas les installer parce que vous n'avez pas le droit, tout simplement. Mais après, sur vos machines perso, faites-vous plaisir. Voilà, moi, pour moi, il n'y a pas enfin, utilisez ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont très contents avec Space Max. Donc voilà. Ou faites votre configuration vous-même, ça marche aussi. Use package, ça marche très très bien. Et voilà. Premier type de package dont j'ai envie de parler, enfin, dont j'ai déjà parlé en plus, hein, c'est les frameworks de complétion. Donc je parle pas d'auto-complétion, comme on l'entend, c'est-à-dire je parle pas de compléter du code, ça je vais y venir aussi, mais plus va bah, justement faire du fuzzy matching pour tout. Donc là je vous en ai montré un petit peu tout à l'heure avec Ivy. Donc comme j'ai dit, il y a M, Ivy, Ido, etc. Moi je choisis Ivy, et pour moi c'est indispensable pour découvrir les possibilités offertes par Emacs. Mais l'idée c'est que ça fait pas que MetaX, ça fait beaucoup d'autres trucs. Typiquement, si j'ai envie de changer de fichier, alors c'est un autre package qui derrière fait le taf, mais globalement le front-end, on va dire, qui est utilisé pour mon fichier et me demander quel fichier de mon projet, là en l'occurrence je veux ouvrir, c'est Ivy. Donc là je fais find file sur mon projet, et globalement ici j'ai la liste de tous mes fichiers. Là, c'est pas un gros projet, donc on va prendre un truc un peu plus. .mx.d, ben voilà. J'ai envie d'avoir le README, donc ça c'est littéralement le repo de Doom Emacs. Hein. Si j'ai envie d'avoir le README du module Haskell, je vais faire README Haskell, voilà. Donc ça marche aussi pour les trucs de fichiers, et derrière je peux ouvrir mon README. On marquera que tout est écrit en mode, c'est génial. Et donc voilà. Donc c'est génial, enfin vous avez envie d'utiliser un truc comme ça de manière générale. Helm, c'est celui qui a le plus de features en soi, même si Ivy est vraiment pas loin derrière. Par contre, il est très très lent à côté, quoi. Donc voilà. Autre package indispensable à mon goût, c'est WitchKey. WitchKey, c'est un package qui, globalement, quand vous commencez à taper, ça c'est plus pour les raccourcis clavier, beaucoup. C'est le truc qui fait que si je commence à taper un raccourci clavier, donc moi par exemple j'ai plein de trucs qui sont bindés sur espace, au bout d'un moment, voilà, il y a une petite fenêtre qui va s'afficher comme ça avec toute la liste des raccourcis clavier que je peux utiliser, avec chacun son système de sous-menu, ouais, de sous-menu, voilà, tout simplement. Donc, par exemple, il y a plein de trucs dans les Macs de base qui sont bindés sur CTRL X ou sur CTRL C. Voilà tous les trucs que vous pouvez faire à partir de CTRL X. C'est pas facile de les deviner de base, on est d'accord. Bah là, comme ça, vous pouvez avoir une idée de à peu près tout ce qu'il est possible de faire avec. Pareil, si je fais avec CTRL-C, CTRL-C c'est encore pire parce que CTRL-C en général c'est un ensemble de trucs. Et là, par exemple, ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'il y a deux pages. Hein. Donc, si voilà, là il y a d'autres pages avec d'autres trucs. Donc, par exemple, si je fais CTRL-C, CTRL-X, on voit que c'est un sous-menu qui derrière a encore plein d'autres trucs. Voilà. Donc, tous ces raccourcis-là, vous pouvez pas les deviner.
Mais un truc qui est bon à retenir, c'est que justement, installer WitchKey, donc comme ça, vous avez ce truc-là. Et typiquement, les préfixes les plus communs dans Emacs, ça va être, en tout cas de base, si on n'utilise pas Evol ou quoi que ce soit, ça va être CTRL-C et CTRL-X. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi lui dire, en l'appelant directement avec MetaX, de s'afficher pour là où vous êtes actuellement. Et donc, vous aurez tous les bindings de là où vous êtes actuellement, du coup. Mais voilà, globalement, ouais, c'est génial pour découvrir des raccourcis clavier, et c'est ce qui moi m'a permis de devenir vraiment efficace avec Emacs, qui soit configuré via un framework comme Doom ou Spacemax ou juste un truc out of the box où j'ai installé WitchKey. Pour moi, c'est un must-have, c'est un indispensable. Donc voilà. Ensuite, le meilleur package ever, et là je pense que je vais partir, il nous reste combien de temps? Tu sais pas, on s'en fout. Ok, cool. Le best paquet ever, c'est Magit. Donc ça, c'est à peu près avec en mode la deuxième raison, globalement, deuxième grosse raison pour laquelle j'utilise Emacs. C'est à peu près le meilleur wrapper sur Git ever. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez bien aimé Fugitive tout à l'heure? Ouais, c'était plutôt cool, on est d'accord. Ouais, bah là, c'est encore mieux. Je vais vous faire une démo, vous pourrez vous rendre compte par vous-même. Globalement, vous pouvez tout faire depuis l'éditeur. C'est complètement interactif, c'est-à-dire que vous n'allez pas devoir faire, par exemple, pour faire un diff, il avait dû faire genre 2.gvdiff, je sais plus quoi. Là, il n'y a pas de truc comme ça. Globalement, vous avez une fenêtre où c'est super interactif. Vous voulez faire un merge, vous appuyez sur M, et là, il y a tout un menu avec toutes les possibilités de merge de la Terre, des options de Git, même des trucs que vous n'obtenez même pas. Donc, c'est génial aussi pour apprendre à se servir de Git, qui apparaît et qui peut simplement. Voilà. Donc, c'est génial. Non seulement pour gagner en vitesse, en productivité, parce qu'au bout d'un moment, les raccourcis, vous les avez dans les doigts, et donc, moi, faire un commit, ça y est, hein, c'est dans les doigts, hein, je fais CC, et c'est bon, je fais un commit, quoi. Alors que git commit, c'est un peu chiant à taper, quand même. Non seulement ça, mais en plus, vous découvrez et vous apprenez fondamentalement comment git fonctionne, parce qu'en plus de ça, c'est super visuel. Mais, là, je pense qu'une démo... est importante. Donc... on va prendre ce repo random et max42sh, donc un repo quelconque. Là pour le coup je vais m'asseoir un peu. Hop. Voilà. Donc un repo quelconque sur lequel. Oh bah j'ai plus de chargeur, super. Donc sur lequel est-ce que j'ai fait des trucs? Bah c'est une bonne question. Et si on faisait un git status? Bah il y a une commande, hein, c'est magit status, et c'est la commande globalement à partir de laquelle vous faites tout. Donc moi ce raccourci clavier c'est pas standard ou quoi que ce soit. Hein, sachant que magit. À la base c'est un package qui est pour Emacs de base, et après pour si vous êtes un vimeux comme moi, vous avez Evol Magit qui se rajoute par dessus et qui change tous les key bindings, et c'est génial. Donc si je fais espace gg, je me retrouve sur cette super fenêtre là où globalement bah c'est mon git status. Donc là j'ai toute une liste de fichiers non traqués, donc je me balade dedans, voilà, etc. Qu'est-ce que je pourrais bien faire avec? Ben ça c'est toutes les commandes qu'il peut faire, enfin les commandes qu'il peut faire, les catégories de commandes qu'il peut faire. Donc par exemple, si j'ai envie d'appuyer sur log, bah, je peux appuyer sur L, et donc là c'est toutes les commandes de log différentes de la Terre que je peux effectuer avec Magit. Donc par exemple là je peux faire L de nouveau, donc current, pour afficher le log de la branche sur laquelle je suis, donc master. Mais si je voulais, je pourrais faire par exemple B, et là il m'afficherait le joli graphe avec toutes les branches, etc. Donc si j'appuie sur L, ça donne ça, donc là j'ai mon log. Donc je peux me balader dessus. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe dans ce commit-là, voilà, j'appuie sur Entrée, et là j'ai le diff qui s'affiche. J'ai envie de check-out dessus pour revenir à un endroit, ou de même mieux, on va créer une branche à partir de cet endroit-là. Je peux faire B c'est pour check-out, ou branch, hein, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris surtout. Et vous pouvez faire commencer, C, voilà, new branch. Et là il vous demande où vous voulez le faire. L'idée c'est que là, comme d'habitude, il me demande à partir de master ou de ma head. Mais comme là je suis dans mon log sur un commit, il me propose aussi le hash du commit. Donc du coup vous recommencez à créer des branches sur des commits spécifiques, le truc est un peu, il devient vraiment chiant dans Git normalement. Là je fais ça, là il me demande le nom, Toto, et là je suis sur une branche Toto, qui comme on peut le voir dans le log, eh bien, elle est bien sur mon deuxième commit. Et donc si je retourne sur mon statut, on voit bien que je suis sur ma branche. Voilà. Donc cette branche derrière, je peux faire des trucs, donc cette liste est nulle. On va aller dans main.c. Oh, on va. Il est pas content, mais il va te faire foutre. Comment ça, checker à l'SPUI does not exist? Pourquoi il est en train de crasher là? What the fuck? Bon, attendez, je vais le kill, ça va lui faire les pires. Ouais, casse-toi.
Ah bah non. Ouais. C'est assez gros, ça va? Ou vous voulez plus gros? C'est bon. Donc. Quoi? Comment ça? Alors ça c'est assez formidable, c'est toujours quand on veut faire un live qu'il y a des erreurs que t'as jamais vues de ta vie, ou le truc ça fait des semaines qu'il marche, que là soudainement c'est la guerre. Donc je fais un new flashball, les gars là, tata, et voilà. Et donc là, pourquoi il m'a fait plein d'erreurs? Ouais bah tu veux... Non. C'était quoi la syntaxe? C'est pas ça? Playcheck? Ah non, playcheck, voilà. Donc là voilà, j'ai fait mon truc, et donc là... Ah bah oui, j'ai pas de check-out. Bon voilà, bah, comment... alors oui, désolé, j'ai fait un peu vite par réflexe. Comment je fais pour stage un fichier que je viens de rajouter? Bah, j'appuie sur S comme stage et je suis dessus. Je veux savoir ce que j'ai changé, j'appuie sur Tab et là j'ai tous les changements qu'il y a dans mon fichier. Donc à partir de là, je vois un trop bien là, sur l'élève. Donc là, pareil, je veux commit, j'appuie sur C, là j'ai toutes les options de commit de la Terre. Si j'ai envie de, bah vous voyez, j'ai déjà des options que j'ai mis par défaut dans ma config, mais globalement si je veux désactiver allow empty commit, je fais moins E et en fait c'est un toggle, je veux le réactiver, je refais moins E et voilà. Donc là vous avez toutes les commandes de la Terre, je peux faire des commits, je peux faire des fix-up, des trucs que encore une fois vous savez pas forcément ce que c'est, et donc là voilà je peux faire un commit, donc il m'affiche le diff en dessous, c'est sympa, et puis là je peux commencer à taper mon message de commit, donc je vais faire toto tata. Et là, je vais faire CTRL-C, CTRL-C, et oui. Voilà. Oh, casse-toi. Voilà. Et donc là, j'ai créé mon commit. Voilà. On peut regarder dans le log, il est là, c'est cool. Maintenant, j'ai envie de le merger sur master. Bah, je vais aller sur master, je vais appuyer sur M pour merge. Et là, je lui dis, bah, merge Toto. Et là, oh, j'ai un conflit. J'ai un conflit, c'est la merde. Bah non, c'est pas la merde, je vais appuyer sur E. Oui, relis-le. Et là, j'ai un super tool de diff qui pop, où il m'affiche, bon là, j'ai qu'un problème. C'est, voilà. Mais globalement, alors c'est peut-être des binding vim là pour le coup, mais je vais appuyer sur J. Et là, je jump sur la première erreur. Et là, il me demande, tu veux quoi? Tu veux la variante A où il n'y a rien, ou la variante B? Et globalement, là, je vais appuyer sur A ou B sur mon clavier, donc là, par exemple B, et j'ai choisi. Et là j'ai fini, maintenant je peux faire Q, vas-y, quitte, sauvegarde-moi ça, je refresh ce truc, non je voulais pas faire un release time, je refresh ce truc et il est pas content encore ou quoi? Ouais bah va te faire foutre. Ah, ouais, c'est pas grave, je merge. Comment ça, resolve conflit? Alors si vous appuyez sur $, vous avez toute la liste des commandes git que vous avez fait, voilà, avec l'output qui est disponible si vous en voulez. Fix them is a work tree, mais tu me casses les couilles. Ah bah oui. C'est bon, t'es content là? Voilà, là il est content. Et donc là je peux faire M pour merge, et là bah, je peux soit abort mon merge, soit le continuer. Donc là je vais le continuer, voilà, je peux faire le vieux commit moche merge branch que j'aime pas, et c'est bon, je viens de merge mon branch. Et de résoudre un conflit. Voilà. J'avais même fait un exemple de conflit tout fait, mais là j'ai réussi à le faire tout seul, donc je suis content. Donc voilà, et encore une fois, ça fait énormément de trucs. Il y a après plein d'extensions, donc par exemple ma git forge. C'est là le arrobas que j'ai là. Ça, c'est pour commencer à aller faire des bails avec GitHub. Par exemple, aller fetcher les issues GitHub, etc. J'ai pas fait de token GitHub, donc là, je pourrais pas vous le montrer. Mais ça existe, ça marche bien. Vous pouvez faire du git init, vous pouvez faire du clone. Si j'ai envie de, je sais pas, fetch des trucs sur une remote, là, j'ai pas de remote. Et si je vais sur pre42sh, que je déglingue mon. Voilà, ce truc-là, bah voilà. Là, par exemple, j'allais dire efficient stage, je fais tab, et là, il m'affiche les trucs. Et là où ça devient rigolo, c'était l'erreur que je voulais corriger tout à l'heure. Tiens, c'est que si je commence à faire... comment ça, read only, mais tu m'en... Voilà. Si je commence à faire... Donc, c'est wrong mode. Si je commence à faire des trucs type... justement, je rajoute des trucs, machin, je sauvegarde... là c'est pareil, voilà, il y a un truc genre magit ou git gutter, je sais pas quoi, qui m'affiche le diff directement dans la... Vous voyez la barre verte là, c'est pour dire j'ai rajouté une ligne. Voilà. Donc après je peux faire GS, enfin voilà, un raccourci que j'ai setup quoi, globalement, qui me permet de stage ça ici. Et donc voilà. Et donc là j'ai stage mes trucs, voilà. Mais si je unstage le truc, donc j'appuie sur U, hein, je peux, là vous voyez, j'ai plein de bouts. C'est-à-dire que si j'ai envie de stage que ce bout de fichier là, bah je peux littéralement faire S là-dedans. Et j'ai stage qu'un bout de mon fichier. Voilà.
Si vous voulez être encore avec une si vous voulez avoir une granularité pardon encore plus grosse, vous pouvez littéralement sélectionner vos trucs et c'est les stages que vous avez sélectionnés. Voilà. Donc voilà, je pourrais parler de ce truc pendant des heures tellement c'est formidable. Mais je pense que voilà, ça parle relativement de lui-même là. C'est le meilleur plugin de la Terre en ce qui me concerne. C'est l'une des raisons pour laquelle j'utilise Emacs, parce que ben, ça m'a fait gagner un temps fou. Ça m'a permis aussi en plus de gagner une compréhension sur le fonctionnement de Git que je n'imaginais pas. Donc là, typiquement, vous voyez, j'ai des slides d'Emacs que je pourrais merger sur master. Ben, pour les merge, je peux faire P comme push. Et là, voilà, je peux faire des trucs. Je peux faire des push force. Alors faites pas ça, hein, mais je peux faire des push force directement depuis ma Git en les toggle. Et voilà. Push tags, voilà, c'est pété. Voilà. Push all tags, voilà. Donc voilà, ça vous fait gagner un temps fou, vous arrêtez de taper des commandes, voilà. C'est bien, alors attention, hein, c'est bien aussi de connaître les commandes Git de base, mais au bout d'un moment, quand vous les connaissez, c'est quand même bien d'aller vite. Et puis, même si vous les connaissez pas, vous pouvez les apprendre, parce que derrière, vous regardez le log, et vous avez la liste de tout ce que vous avez voulu exécuter. Donc voilà. Ensuite, on va parler un peu de gestion de projet. Avec Projectile. Donc Projectile, c'est un package qui globalement va prendre pas mal de fonctions de base d'Emacs. Donc tous les trucs que je vous ai montré tout à l'heure, find file par exemple, de la fonction de base, c'est Ctrl X, Ctrl F de base dans Emacs, il permet d'ouvrir un fichier. Par défaut, on ouvre un fichier comme 2.e dans Vim. Bon, Projectile, il va wrapper find file en mettant Projectile find file. Et Projectile find file, qu'est-ce qu'il fait? C'est que déjà, du coup, il connaît. Il est au courant qu'il y a Git à côté, et donc il sait à partir de Git quels sont les fichiers de votre projet. Donc à partir de là, déjà, il va pas vous afficher, si vous avez fait un Git ignore, il va pas vous afficher tous les fichiers qui sont dans le Git ignore, donc tous vos points hauts, il va pas vous les proposer déjà. Voilà. Et donc vous pouvez sauter rapidement sur tous les fichiers de votre projet, mais seulement de votre projet, vous allez pas commencer à aller parcourir tout votre système de fichiers, etc. Il y a Projectile Compile, je vous disais tout à l'heure que quand on fait un MetaX Compile et lance dans le dossier où est votre buffer, et ben vous avez Projectile Compile qui lui va justement se servir littéralement de guide pour savoir où est la route de votre projet et lancer la commande de compilation depuis la route de votre projet. Là où ça devient encore plus marrant, si vous commencez à utiliser des build systems type CMake, Maison, AutoTools, etc., il va détecter votre build system et quand vous allez faire un projectile compile, il va proposer des commandes de compilation qui ont du sens en fonction de votre build system. Donc là, je vais vous faire un exemple encore une fois. Alors, on va faire. Où est-ce qu'il était XIV Switch. Ouais, c'est bien XIV Switch. Voilà. On va retourner sur ce truc. Là, si je fais un projectile compile. Donc voilà, je peux faire un project compile, voilà, comme ça. Bon, là, il a déjà trouvé tout seul qu'il y avait un dossier de build. Et il me propose de faire un select build dans les trucs, parce qu'en fait, CMake génère tout un tas de targets. Donc il ne vous les affiche pas toutes. Ça, c'est celle que j'ai explicitement demandé d'utiliser. Ou alors, voire même, j'en ai fait une custom pour avoir le -j8, par exemple. Mais du coup, ici, j'ai tout seul mes targets de clean. Et si je veux recompiler mon projet derrière, je peux le faire comme ça. Donc là, j'ai pas d'erreur dedans, donc ça se passe bien. Mais voilà. C'est lent. Et voilà. Et si vous avez besoin d'une target spécifique, je peux sélectionner par exemple dans build. Et là, j'ai toutes les targets qui ont été générées par CMake. Voilà. Plutôt pratique. Et là, il propose du Makefile parce que j'ai dit à CMake de générer du Makefile. Si je disais à CMake de générer du Ninja, il me ferait la même chose, mais pour Ninja. Évidemment. Si c'était Maison, voilà. Je peux aussi lui demander de configurer le projet. Donc créer le dossier de build, etc. On peut littéralement configurer comme ça. Et derrière, vous pouvez aussi rajouter dans vos projets des fichiers cachés .el qui permettent de setup des variables de votre projet pour, par exemple, mettre par défaut, comme ça, si vous faites un git clone ou ce du genre, que Projectile vous propose directement les bonnes commandes sans que vous ayez besoin de les taper ici. Voilà. Et de toute façon, derrière, il va garder en général un cache de tout. Enfin, comme vous pouvez le voir, il va garder un cache de... Voilà. Encore une fois, si je veux choper un fichier dans mon projet, ça, c'est Projectile FMFile. Qui, on le remarque d'ailleurs, ça interface très bien avec Ivy. C'est marrant comment tous les trucs sont américains. Donc voilà. Vous pouvez changer de projet rapidement. C'est ce que je n'arrête pas de faire depuis tout à l'heure. Si j'ai envie de sauter sur la config de mon système, elle est là. Voilà, je veux ma config ZSH, bam, elle est là. Et voilà, c'est la fête. Voilà. Donc, ça va super vite.
Voilà, c'est un super tool et ça fait beaucoup de trucs. Par exemple, vous pouvez faire de la recherche dans votre projet. Ça, c'est un truc plutôt pratique. Si je fais /P, là, je peux commencer à lancer un regrep sur mes trucs. Donc, à partir de là, si je veux trouver toutes les lignes où j'ai des enable, ben voilà. Et donc après, je peux commencer à sauter dessus et voilà. Par exemple. Donc voilà. Donc ça, c'est Projectile. Ça se marie très bien avec Magit. Et pareil, c'est très bien, il y a des commandes pour lancer Dayard, donc le file manager dont je vous ai parlé tout à l'heure, sur votre projet, il y a des commandes pour lancer les tests tout seul. Évidemment, on parlait tout à l'heure de générer des tags. Vous faites project tags, voilà, j'ai projectile regenerate tags, et tout seul, il va me générer des tags. Bon là, ils étaient déjà générés, donc ils s'en foutent. Enfin non, il les a refait d'ailleurs. Mais voilà, là, il est tout seul, il a appelé 6 tags comme un grand, il a régénéré les tags et les a chargés. Et évidemment, s'il y en a déjà qui sont présents dans votre projet quand vous ouvrez Emacs à froid, on va dire, il va tout seul aller recharger la liste de tags comme un grand. Voilà. Sachant que la liste de tags, elle est toujours chargée, elle est toujours dans un coin. Donc Emacs, quand vous faites du cross-ref, etc., il est capable d'aller les choper. Ensuite, là où on commence à partir encore plus dans le fun, c'est qu'on peut le rendre aussi pété qu'un IDE. Dans le sens puissant. Donc on a de l'autocomplétion avec tout ce qui est compagnie. Si vous recherchez autocomplétion dans Emacs, vous allez avoir un paquet qui s'appelle autocomplete, je crois, tout simplement, qui est nul. Enfin, il est vieux, en fait. Il est vieux, il est nul, il est pas bien fait, et il s'interface mal. Donc tout le monde aujourd'hui utilise compagnie, c'est le meilleur truc de la Terre. Et globalement, vous avez besoin de compagnie pour un langage ou un truc louche. Il y a toujours un compagnie Java, compagnie... compagnie Unix, compagnie CIMEC, compagnie tout ce que vous voulez quoi. Donc globalement des trucs qui vont se greffer au framework de base d'autocomplétion et vous proposer des trucs. Ils se combinent très bien avec YaSnippet. Donc YaSnippet, c'est le truc que j'ai montré tout à l'heure quand j'ai fait mon main et que ça fait des trucs tout seul comme ça là. Voilà. Donc ça c'est des snippets, donc c'est des blocs de code on va dire que vous auriez déjà codé. Par exemple si j'ai envie de faire un include, je peux faire inc c même par exemple là. Et voilà, il me fait popper tout seul un include. Je suis content. Et derrière, après, je peux commencer à avoir de l'autocomplétion sur mes symboles pour commencer à mettre, je sais pas, stdarg.h. Et voilà. Pourquoi il m'a rajouté un chevron en trop ? Voilà, hop. Voilà, donc des trucs comme ça. Ça, le truc là qui a fait l'autocomplétion, c'est compagnie. Si je reviens, où est-ce qu'il était ? C'était pas là. C'était ça. Si je reviens là-dessus. Typiquement, si j'ai envie de faire un new 2, voilà, et que je voulais voir mon list init, voilà, tout seul, il me propose les choix des trucs. J'ai des en plus de sur là, il me dit les super symboles, ce qu'ils sont, j'ai les valeurs, ce que ça retourne, etc. Et YaSnippets, en fait, c'est compagnie utilise YaSnippets pour faire en sorte d'avoir ici le placeholder inval qui est là, et dès qu'on commence à écrire, en fait, ça le remplace avec les trucs. Donc, je peux faire 42. Et non, 42, j'ai dit pas word size machin. Qu'est-ce que tu m'en kikine? Voilà, et hop, c'est la fête. Voilà. Donc, ça c'est pour l'autocomplétion. Derrière, on a du syntax checking on the fly avec flycheck. Donc, ça c'est le truc qui me arrête pas de me harceler depuis tout à l'heure avec il y a une erreur, il est pas content, il connaît pas Tata. Remarque, il a raison, il connaît pas Tata. Ouais, flycheck. Fort. Bref, flycheck, donc c'est un truc qui permet non seulement de parser les erreurs, de vous les afficher, etc. Il peut aussi vous afficher à l'échelle de votre projet les erreurs qu'il y a. Vous pouvez après avoir des raccourcis clés pour sauter à la prochaine erreur, le tout sans tout recompiler en fait. Si je cherche, ça va être flycheck, j'ai oublié le nom de la commande. C'est pas show erreur, list error peut-être. List error, voilà. Là j'ai une erreur, voilà. Si j'en avais plusieurs dans plusieurs fichiers, il me les afficherait. Mais globalement, là, il est en train de me dire, voilà, use of undeclared identifier tata. Et donc derrière, je peux juste sauter dessus comme un grand. Et voilà. Donc comme ça, on va super vite et on n'a même plus besoin de compiler pour ça. On remarquera que le checker derrière, c'est LSPUI. LSP, c'est le truc dont on a parlé de Chewit tout à l'heure, qui est le Language Server Protocol. Donc l'espèce d'implémentation ou de standard où les mecs se sont mis d'accord. Dans Emacs, il y a un package qui implémente ça, qui est LSP Mode. Et donc derrière, on peut avoir LSP mode. Derrière, tout ce qu'on a besoin, du coup, c'est d'avoir un language server installé. Donc moi, typiquement, j'utilise CCLS.
Mais il y a aussi Clank D par les mecs de LLVM qui commence à être pas mal. Et donc c'est le truc derrière. Globalement, CCRS, c'est le truc qui, là, dans mon cas, dans ma config en tout cas, fait le syntax checking. C'est lui qui va générer les complétions automatiques, c'est-à-dire que limite en fait les tags, là j'en ai limite plus besoin parce que tout seul il a indexé le projet, il sait comment il est compilé, etc. Il est capable de me retrouver les symboles. Il sait comment tout faire avec. En fait, globalement, c'est aussi lui qui m'affiche par exemple les qui colore et qui highlight les noms des headers. Donc si j'ai envie d'aller voir cdae.h, bah voilà, il est là. Et évidemment, il a indexé comme un grand, donc je peux a priori aller dans listinit. Non, la vraie implémentation de listinit, s'il te plaît. Non, t'as pas envie. Tu as décidé de me... Voilà. Je peux aller sur malloc. Et voilà. Là, je commence à avoir la déclaration de malloc là où elle est dans stdlib.h. Voilà. Mais ça derrière, en fait, c'est backé par lspmod, etc. Voilà. Et enfin, si d'ailleurs vous trouvez ça un peu trop, enfin, si voilà, si vous avez, si vous aimez bien l'idée d'avoir un truc qui liste tous les fichiers de votre projet, alors moi je m'en sers pas des masses, mais bon, il existe, donc je vais le montrer. Je vais retourner sur ici, vswitch, c'est plus intéressant, voilà. Vous avez Trimax qui existe, qui est ce truc-là, qui globalement vous permet pareil, donc lui c'est pareil, hein, il comprend les git ignore, et donc là il m'affiche tous les fichiers cachés, qui permet globalement de me balader dans mon projet, donc je peux aller commencer à regarder les sources, des trucs, voilà, ici, voilà, et pareil, il connaît les tags, etc., c'est-à-dire si j'ai envie de savoir ce qui est défini dans interface.cc, là il commence, c'est du C++ en l'occurrence, donc là il commence à me lister les classes, et puis toutes les fonctions que j'ai définies ici, et donc après je peux commencer à sauter dessus. Voilà. Donc là par exemple la fonction forward, bah voilà, j'étais dessus ici. Voilà. Donc voilà, c'est un truc qui a le mérite d'exister. Quand c'est du makefile par exemple, bon là si mec il connaît pas trop, mais même les markdown, vous voyez, il vous affiche la liste des trucs, des sections qu'il y a dans votre fichier markdown, c'est du makefile, il va vous afficher toutes les variables, toutes les règles que vous avez définies, vous pouvez sauter dessus si vous avez commencé à avoir des makefiles vraiment longs. Ça devient assez pratique. Voilà. Sauter sur des trucs comme ça, c'est la fête. Donc voilà. Et donc du coup, évidemment, vous pouvez émuler Vim. Donc ça, j'en ai, je pense, pas mal parlé parce que, ben, en même temps, il n'y a qu'un seul utilisateur d'Emacs ici. Évidemment, vous pouvez émuler Vim dans Emacs. Et c'était pour moi la condition sine qua non pour switcher parce que j'aime bien l'édition modale. Et donc du coup, ben, Evol, c'est simple, hein. C'est, ben, là je fais du HGKL depuis tout à l'heure, si vous voyez toutes les commandes de type 2.e, 2.e, ce que vous voulez, voilà, elles sont là, voilà, toutes les trucs de substitution que vous connaissez, j'ai envie de remplacer forward par, non il fait pas ça là, mais si tu fais ça là, ah bah non, je suis bête. .s voilà forward par toto, voilà, ben c'est bon, vous pouvez commencer. Là j'ai remplacé, j'ai complètement éclaté mon fichier. Il y a tout dedans, il y a tout, enfin beaucoup de monde s'en sert, donc tous les trucs type magit, etc. Il y a des bindings qui sont faits avec genre evil magit, etc. Et globalement c'est à peu près la meilleure émulation de Vim que vous pouvez trouver dans un éditeur de texte à part Vim lui-même. Ben voilà, sachant que vous pouvez retourner en mode Emacs à un CTRL-Z, voilà, CTRL-Z ne permet plus de, voilà, là je suis en Emacs mode, donc je peux faire des CTRL-A, CTRL-E, META-X, tout ce que je veux, mais globalement vous pouvez émuler Vim dans Emacs, et en ce qui me concerne ça a du sens, parce que quand on voit la tronche des autres paquets et de tous les trucs cool qu'on peut avoir à côté, je préfère émuler Vim dans Emacs qu'essayer d'apporter tout ça dans Vim, parce que ça va être bizarre, ça va être bizarre. Vim, il est plus fait pour tourner dans terminal, il pourra pas vous afficher une jolie fenêtre comme ça, c'est pareil. Hein. Ça, c'est pas, vous aurez probablement reconnu que c'est pas vraiment Emacs out of the box. Ça, c'est l'interface telle qu'elle est conçue dans Doom Emacs. Mais globalement, voilà, ça, j'espère que ça montre aussi un peu la puissance de la fameuse GUI dont je vous parlais au début. Donc voilà. Je crois que j'ai à peu près fini en vrai sur sur le truc. Du coup, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des trucs que vous voulez que je vous montre? Ouais. Tes alias. T'as fait un alias genre sur GCC pour avoir les warnings, etc. Ouais.
Bah oui, parce que probablement qu'il doit appeler. En fait, il doit exécuter ta commande directement. Il n'appelle pas un shell derrière, si tu veux. Donc, non, a priori, non. Après, j'ai envie de dire, la majorité des projets, de toute façon, tu auras un build system. Bah, pour les exos de piscine, le truc, c'est que si tu fais un Metaist compile et. J'ai pas là, non. J'ai pas trop d'exemples là, attends. Si je retourne. Ah bah non, dans TMP, j'ai supprimé. Globalement, le comportement par défaut, c'est qu'a priori, si tu fais un Metaist compile, bah attends, il doit pas l'avoir là. Non, il est cassé le mien, évidemment. Ouais, c'est toujours pareil. Si, voilà. Il se souvient de la dernière commande que t'as tapée. Tu vois, là, en plus, c'était même. Là, c'était Projectile la dernière pour le coup, et il me propose quand même celle de Projectile, même si à l'endroit présent, ça n'aura aucun sens. Mais voilà. Et tu peux même. T'as même un historique. Voilà. Donc, bah tiens. Et ça, par exemple, c'est un truc, c'est une commande. C'est même pas une compile command, c'est une commande de configure que j'ai lancée. Sachant qu'entre-temps, j'ai reboot ma machine 3 fois pour essayer de faire fonctionner le vidéo proche, etc. Donc en fait, tu as un historique qui est là. Et donc tu peux tout à fait imaginer réutiliser tes commandes, etc. Bah voilà. Sinon, bah juste bah, t'as envie d'avoir un makefile, quoi. C'est tout. Après, c'est pas impossible non plus qu'il l'ait. Mais ça, pour le coup, c'est un gros guess. Mais ça ne m'étonnerait pas que tu puisses par exemple set une variable dans ton bashrc. Si c'est même totalement le cas à mon avis. Bah tiens, on parlait de voir les variables. Bah tiens, on va faire compile command. A priori, cette variable-là, si tu la, si tu la, il n'y a pas de default, un truc du genre. Non, c'est compiler option, ça. Ah bah, oh purée. Ah non, non, mais attends, non, non, il y a un plus devant, c'est un truc de Doom, ça. Non, ça marche pas comme ça. Non, je me disais quand même, là, il y a un truc. Mais, ah, c'est intéressant, ça. Mais attends, c'est qui fournit ça? C'est pas mal, ça. Dans config.e, qui fait ça? Ah ouais, c'est un truc de Doom. Enfin, ouais, bah quand je disais il y a le source code, bah le voilà le source code. Donc a priori, ouais, c'est pas pour les machines du, mais enfin bon, a priori, voilà, il doit y avoir un moyen d'avoir une variable en particulier. En plus, si tu commences à utiliser un machin comme ça, de manière très facile, tu dois pouvoir en effet customiser une variable à set dans ton emacs.d pour avoir une compile command par défaut. Et comme tu peux le voir, trouver cette variable, bah encore une fois, quand je disais il documente tout seul, bah voilà. Surtout avec Ivy à côté pour faire du fuzzy matching. Je connaissais pas cette variable et là je l'ai découvert sous tes yeux, tu vois. Donc voilà, tu peux t'en servir comme ça. Une question? Question, parce que pour le stream, c'est donc t'es confus quand tu essaies de switcher sur Evil Mode sans passer par un truc type Space Max ou autre, parce que tu sais pas trop quand est-ce qu'il faut utiliser soit Evil, soit directement une fonctionnalité des Max, etc. L'idée, bah normalement, tous les trucs de base de Vim, tu dois les avoir. A priori, ça c'est donc t'es pas dépaysé là-dedans, et donc bah enfin, comment ça? C'est quand tu veux utiliser des trucs spécifiques à Emacs, c'est-à-dire que tu sais pas si, ouais, ah, t'as un exemple de raccourci qui te vient en tête? Ah, bah, là, sans exemple comme ça, des raccourcis avec. Contrôle. C'est mieux de savoir certaines choses sur Emacs. L'idée quand même de base, c'est que t'es pas besoin de, voilà, si moi je connais pas tous les trucs qui sont préfixés par contrôle X, contrôle C ou quoi que ce soit. Après, connaître des raccourcis Emacs de manière générale, j'ai envie de dire tout le monde devrait en connaître dans le sens. Des fois, typiquement, des fois, tu te retrouves face à quelqu'un qui a un problème, qui utilise Emacs, t'as peut-être envie de savoir comment ouvrir un fichier, tu vois. T'as peut-être envie de savoir que c'est CTRL-X, CTRL-F pour le faire. Ou typiquement, le truc le plus cool, c'est simplement CTRL-G qui permet d'ouvrir
de dire à Emax, non mais annule ce que tu essayes de faire quand il commence à s'emballer, à faire des raccourcis dans tous les sens et que tu sais plus où t'en es. Tu bourrines CTRL-G quelques fois, et au bout d'un moment, il va t'afficher, voilà, quit en bas, là. Et donc, comme ça, t'es tranquille. Après, oui, il vole normalement remplace à peu près tout. Mais je peux pas te certifier ça à 100%. Enfin, je connais pas Evol par cœur, quoi. Donc voilà. Oui, après, oui, oui, si t'as envie de quand même quelques trucs. Mais après, t'auras quand même vachement moins de trucs à apprendre que si t'essayes d'apprendre des max sans rien, quoi. Et puis t'es pas dépaysé, et voilà. Donc après, voilà. Si vraiment, soit. Après, c'est tout ce rebind. Donc c'est pareil, si une commande fait pas ce que tu veux, rien ne t'empêche de rebind ton raccourci clavier pour qu'il allait se faire autre chose. Ou encore une fois, si t'as la flemme, hein, tu peux utiliser des trucs comme ça qui a priori font taf. Mais ça, c'est encore d'autres trucs à apprendre, parce que c'est très, soit SpaceMax ou Doom ou quoi que ce soit, ils sont très, basés sur les opinions de leurs créateurs. Donc dans le sens, tu remarqueras que j'ai quasiment fait aucun truc louche avec mes doigts depuis le début. J'appuie sur espace et globalement j'ai accès à toute la terre entière, tu vois. Et ça, c'est des trucs qui sont enquiquinés à faire et que voilà. Moi, je m'étais amusé à faire dans ma propre config 2-3 raccourcis comme ça, genre espace FF pour voir des fichiers ou ce genre de trucs. Mais ouais, Evol des fois ne remplace pas tout. Mais il en remplace quand même une grande majorité. Enfin, moi, j'ai pas de raccourcis Vim qui me viennent en tête là, qui ne sont pas couverts par Evol, si tu veux. Non, bah après, c'est vrai que, disons que ça facilite énormément pour les utilisateurs de Vim. C'est une émulation quasi parfaite, mais elle est pas, c'est pas Vim, quoi. En même temps, si je voulais Vim, j'en serais Vim, quoi. Tu vois, ça, donc, ouais. Non, t'es obligé un peu de voir ça, ou alors de rebind les trucs. Voilà, après, t'as de mémoire, t'as des trucs en plus pour voir, genre show map. Ouais, bah ça, t'as ça. Bah, du coup, avec WitchKey par exemple, voilà, là tu peux avoir toutes les keymaps de trucs. Donc là, je peux avoir Evol normal state map par exemple, et ça, c'est tous les trucs que je peux faire dans Evol, tu vois. Donc là, j'ai tous les raccourcis a priori, voilà. Donc si j'ai un doute sur sur qui fait quoi, normalement, je peux m'en sortir avec ça. Voilà. Typiquement, je sais, si je sais pas comment entrer en mode insertion, a priori, c'est écrit dessus. Tu vois. Donc, peut-être, au moins, du coup, pour le coup, installer un truc genre WitchKey, ça, c'est, par contre, ça pourrait t'aider, parce qu'au moins, si tu commences à faire une suite de raccourcis, de toute façon, comme il va tout afficher en bas, et que tu sais pas vraiment où t'es, bah, au moins, WitchKey t'affichera à peu près, c'est quoi ta situation actuelle, quoi. Et comme ça, tu pourras apprendre les raccourcis, en découvrir des nouveaux, voilà. Les raccourcis Emax de base, alors c'est vrai qu'ils ont une réputation ils font mal aux doigts, mais en vrai c'est un système de raccourci qui a beaucoup de sens. C'est-à-dire qu'au final les trucs quand même dont t'as envie le plus souvent, typiquement vous voyez tous les trucs genre accéder à la définition d'une variable, c'était méta point. Et revenir en arrière, c'était méta virgule. Sur du QWERTY, c'est les deux touches qui sont côte à côte. Hein. Tu maintiens Alt d'un côté, t'appuies sur ce truc là et tu navigues. Donc finalement ça a du sens. Et en fait tout sinon derrière c'est un système de menus et de sous-menus. Quand tu fais ça, quand tu fais CTRL-C, tu rentres dans un certain menu qui doit être genre en fonction du major mode, et enfin je crois, hein. et derrière t'as plein de menus pour faire telle ou telle catégorie d'action, quoi. Donc voilà, au final tu te retrouves avec un truc un peu hybride, en gros. Voilà. Mais bah, oui, il y a un temps d'adaptation, c'est sûr que, mais bon, Tu peux au moins commencer à coder, quoi. Ça, d'autres questions? Ouais. Alors, est-ce que j'utilise encore Vim? Ça devient très rare. Ça devient très rare parce que mon Emacs, globalement, il est toujours lancé dans un coin. Quand il est pas lancé, Doom, comme je disais, il est bien foutu. Donc en gros, il démarre en genre 0,7 secondes, un truc du genre. J'ai une petite config Vim dans un coin normalement, hein. Ouais, voilà, enfin, c'est même NeoVim, mais globalement je me servais beaucoup, oui, je me servais de Vim pour faire tout ce qui était configuration système, parce que j'avais pas besoin d'Emacs pour commencer à configurer des trucs. Quand tu commences à lancer des trucs en sudo, etc., j'utilise pas Emacs pour faire ça.
Parce que de toute façon, il n'utiliserait probablement pas ma config, et donc du coup, bah, j'aurais juste un Emacs Vanilla, et bah, je m'en fous, quoi. Après, c'est moins en moins vrai, mais ça, c'est plus un side effect du fait que j'utilise NixOS, et que du coup, en fait, faire ma config maintenant, bah, si tu veux, c'est dans mon home, quoi. C'est-à-dire que ma config de mon système, bah, elle est là. Donc voilà, tu vois, c'est... j'ai tout qui est là, c'est dans mon home, j'ai le droit d'y accéder et j'ai une commande à faire après une fois que j'ai quitté ça. Et Emacs, pour le coup, là, me propose de l'auto-complétion en plus sur les trucs de ma config. Donc, du coup, même maintenant, je m'en sers vraiment pour quasiment tout. Mais avant d'utiliser NixOS, pour le coup, oui, j'utilisais ça pour tout ce qui était administration système. Voilà. Administration système et oui, c'est à peu près tout. J'aurais envie de dire pour se foutre, pour aller dans des SSH un peu chelou, mais même ça en fait, Emacs, il y a un truc. Ah oui, c'est un super feature out of the box dont je vous ai pas parlé, c'est Tramp. Tramp, c'est un truc, vous pouvez. Alors, moi ça a pas marché parce que j'ai pas de machine dispo sous la main, mais globalement, je peux faire SSH, genre le nom d'une machine et ensuite le nom d'un fichier quelconque. Là, je pourrais pas vous le montrer parce que, encore une fois, j'ai pas de machine sous la main, mais globalement, l'idée c'est que du coup, il va vous lancer. Il va aller éditer le fichier à distance via SSH, qu'en fait ça, il va y avoir toute votre config locale qui est là. C'est-à-dire que même sur une machine où il n'y a rien, il n'y a même pas une config Emacs, il n'y a même pas Emacs d'installer dessus, vous pouvez éditer un fichier avec Emacs sur cette machine-là avec Tramp. Donc voilà. Donc oui, j'utilise encore Envy. D'autres questions? Non, c'est bon. Ben, merci beaucoup, j'espère que ça vous aura plu alors. Et vous en aurez retiré des trucs. Voilà. Merci. Bon, merci d'avoir été patient pour le setup au début aussi. Ça a été bien ou pas? Oui. Ouais.